Yorana tatu e whare re rei te enei pui pui. Te hamatara tatatu rurura. Je déclare la séance ouverte. Rone eau e ani to tatu papai praur hei. Ia tei o mai tatatu rata titaura. E te pretetini e na te rata no te turu honu no atupa. Te titaura ahia I te momero no te aporar hei o te whenua mao tau ia I te onei. Te mautia mai tihia I te aporar hei, te veine te tāni. E mana ono ratumu nāu I te whāra rai atuia o tōnai, e tupu te pērā o te ruru a te aporar hei o te whenua mahoi. Nā tana tau whaine ni rā tapura whauwha I te munire horumapiti no novema, piti tau tina horumapiti I te horai vai te poipoi. A whari mai e te mautia mai tihia I te aporar hei, te veine te tāni, I te tāpoa no tō whātureia o tōna. Maruru mai tei, te anine iau I te papai praur hei. Iap I mei tei oa o te mautia o te itemei te iepepe. Algoima wa temei, Alfa te ari wa temei, Big Sabrina wa maeri, Bob Dupont Amara wa temei, Visu Jean-Christophe wa maeri, Brodien Rosine wa temei, Xavi Daphne wa temei, Cross Valentina wa temei, Drole Jacquet wa temei, Flos Gaston wa temei, Fribourg Joël, Watame, Fritsch Edouard, Watame, Gal Nominari, Watame, Anderson George, Watame, Irshon Nutia, Watame, Iritite Ura, Wamairi, Jennings Tetone Patricia, Watame, Kouté Benoit, Wamairi, Komoutini René, Watame, Lison Marcelin, Wamairi, Mama Teuta Povito, Watame, Manu Televi, Agami Sandra, Watame, Maraya Emma, Wamairi. Maraiura Teina, Wamaeri, Maritragi Mairoto Lilian, Watame, Matawa Leoni, Watame, Matawa Mairon, Watame, Mati Juliana, Watame, Merceron Armel, Watame, Olivier Maris, Watame, Opa Afuani, Watame, Parker Eleanor, Watame, Porliet Ekinui, Wamaeri, Rapoto Jean-Marius, Wamaeri, Riston Monique, Watame, Riveta Frédéric, Watame, Rumataro Ferno, Wamaeri, Saj Maina Watame, Chil Philippe Wamaeri, Tama Françoise Wamaeri, Tani Thérèse Watame, Anso Robert Wamaeri, Piontouroro Wamaeri, Te Farire Hiroiti Wamaeri, Te Miharo René Watame, Te Remate Ruben Watame, Te Ripayamita Wamaeri, Te Watia Sylviane Wamaeri, Te Tonu Ilana Wamaeri, Te Ura Justine Watame, Tongson Gaston, Watame, Toho Ismael, Watame, Tushobia Katine, Wamaeri, Utia Damas, Wamaeri, Venodon Beatrice, Wamaeri, Venodon Clarence, Wamaeri. Maruru meitei, waraheia te afarhei o te momero te aporarhei no te hamatara I tata tōrurura I te iepepeu. Te aninei au I te papai prorhei, ia tei o mei te mo maiti rātatia. Te pretetene te e te mōporotatia te hamanahia. Nā Tama Françoise, ia Mairon Matawa, nā Tushobia Catherine, ia Patricia Jennings te tonu, ia Utia Damas, ia Ruben Teremate, nā Maraia Emma, ia Xavi Daphne, nā Tonso Robert, ia Gaston Tonson, nā Tiontouroro, ia Rosine Brodien, nā Iritite Ura, ia Riveta Frédéric, nā Bissou Jean-Christophe, ia Emma Algan, nā Benoît Cauté, ia Joël Fribeau, et na Venodon Clarence et à Jacques Hidroulé. Maruru maitei. O tatou hare atu e nye I te tapura hupa, o tatou hupa I te emhana. Arone iau e whātai I tō utap oro whai te peretitene o te whenua maohe. Mono peretitene, te whātarehau vheine, te mō whātarehau. Tatou patoa I tamei te iene emhana, whaia e mate I te emere I a tatou. Tēnā tua te poro ino te arufo. Te teia nira I a tatou I te mea o wharu mei te teita e na tatou o André Porlier I te mana maha I mehemo e nei. E piti te me oia te tiara amei e mero aporar hei roto I tō tatou whenua. I te matheiti pēhuru e mahitu e tētu I te matheiti ono huru e mapiti. E I te matheiti ono huru e mahitu e tētu I te matheiti wau huru e mapiti. No rira te anihe anei au I a tatou. E whātura tatou I ana Nā roto I te whanhora I a hoi miniti whae am hu ore no. Maruru mai te ainos whaarira.
Maruru maitei. Teie te opua atapura hipa. Ima iti hia eto mo preti teni pupu mato iti putuputura. Te tapura hipar hei na tatu i te iepepe. Te eimaro man or a in eit fatoro arat eit atapura fofu a tatatu dom. E wani mei te fatere rao te whenua. Ia vai hohia na tapura epiti. No te pae no te numara iwa ahuru e maho e, piti tautini ahuru e mapiti. E te numara iwa ahuru e mapiti, piti tautini ahuru e mapiti. Veho te rira no te tei mana maha e atu. I hata atu ia tua tapapai te mana, mitsurura e, te ani rā atu whate rira a. Te ni anu atatu i te enei e maro ar aman oni e te whaatoro warat e a tapura fofu a dom na tatu i te pepe. Me te pēu e te whaari ra tatu i te enei whaati te aifaro rā, a whaito tatu i rima nia. Te tato ara. Te pēr hei, te whaari wa mana. Nori rā, te ni a tatu i te enei tapura hupa i te enei teme, mautira i te tuatapa par aia i te enei e maro ar aman o, no ni eit whaatoro arta i a tapura fofu au i ti whaatahea mei, eit whaaterere au tō tātou whenua, i roto i tō tātou rima. E iau te irawa hanere mha ahurue ma mha hoe o tā tātou ture roto, me whahepohi a tātou e tua tapapai te ienei mō tumu prau, e no te hamatar ai ai te ienei tua tapapar a, e ni eit whaaterere au te whenua i a praprau mai tōna manao. Whaaterere au te whenua, iau e. Preti teni e whatere i tā tātou apor a eriti ture, i ora nai tō tātou nei whareri e tēnō atu mau tā e tuahine. Whare i mei tap o no te aro whaet whature i tō tātou whareri e te ibupui. Mi te au hi hoa rutuit a he por a te ture, whatere nei tō tātou whenua, nāo tātou i te parau a tā te tau e hohoro ai whatere rao tō tātou whenua i te mō aratai rā. I te pē o te tāpura fōf ā e whātata mai nei. E tupu te rira rutu i tō e tau ara parau, te riro i te tupu i te pēpēu, nā rutu i te whānaur a DOP, Débat d'Orientation Budgetaire. Nō tā poto noa i te e mana, i e te mai o e prititeni, te e puta e wainei rutu i tō tō rima, te mō mana i arata e tamātou e mana nei whā fōf ā rutu i te matheiti hare mai nei. E te momana atoa o te riro i te whatupu i te tau ara parau, rutupu i tātou, i e mō aratair a tamātou e mana e meitei no te patu ahur ai te parau, no te oror afofu a rutu i tō tātou whenua, rutu i tō e tau hepo hepo, te e tau tā tātou e whāruru nei. Te tuhu a mātāmua, mautira te ie i e whānaur a no te tārāni a fofu a teau, no te mea i te mohi e tātou rutu i troar ai mamatheiti im hemo, e piti ahuru miria tā tātou i ere i te pē o te tute, tā tātou i te aturi, e o mai rutu i te awhatau tō tātou whenua, i te e mhana, tini i te whaito, piti ahuru tihapa miria te ere nei i te tapura fofau tō tātou whenua. E inā e, o i te tātou e, i au hoa tā te ture e whahepo nei, mō oire anei, mō whenua mi te e tūru, e ata anō atu i te parau tāpura fofau te whrani. E opanihi a tātou i a tuatapapa tātou i te tapura fofa, i a ore e tuati te fofa e wainei rutu i te awhata, e tēnō atu i te mohama uara, mautira, mo opuara, mo arataira no te whaohipara i tera fofa. Te ura mi te pēr e topa mai tera fofa ni tō e whaito piti ahuru miria, o i te hoi a tātou o topatoa tā tātou i whaohipara a fofa ni tō e whaito piti ahuru miria. Ai te ua e tāra mi te pēr e te harūra o tō, te teimhara e whāruruhi anei i te whātere rao te whenua i te mana, mautira te e topara o te piti ahuru miria, ni te whaito piti ahuru miria, o te fofa tā te whātere rao te whenua. Noa tua e tōna u i whārururu te troara o te e mhamatheiti i mhemo. Te aura i te mana, ti mua tātou i te teiwhiwhirhei.
Notre mère oui t'es tato, mon hier est venu le tuto tato rima, mentira, t'es et touté, touté a, imif ahoy t'es tira, ya if ahoumai t'es afata notre mère, wo ere oyan it faito piti ahurumiria, aurera, et imitato we tarani if ahua, itatato fof a, et venu le tuto afata, nar tuto ahipur a, tu ohipanei, aurera mohit aruartei, o portita. O te whaterer au te whenua, no te patu ahura ai tō tātou whenua, tarāni te rira, no te mea te erera tātou te whofa, rutu i tā tātou awhata. Te weira te tau, tarara tau tā tātou i Mātoro mai tei, me ohi e no. Hareri i te e whofa, me cho e maan i te tumu, hin aro nei tātou hare no tātou e poho ai. Harero ara tātou, a teipiti ahuru tō gati ni kilometera te atea, e ti tra maan no te poho ai ai ana. I te e maana, Te rere atu mātou, ei te maa ahau ni te tumu, te whiwhito ara rato i o. Te aura, ti tohia tātou rutu i tō tātou arata ira, ia taui tō tātou wherurira, ihaf ahau tātou e nāna, e pe mātorohi e tātou, a tei toru ahurumat hei di tēnei. Te hei mai nei tātou ni te tanora, mautira nā tātou e wheruri, nā whea e whati av ahau tō tātou whenua, nā roto i tā tātou i ho. Ia nārtu i tate thai, nārtu i tātātou iho. No rira te i opuar a e tuhia mai nei mo e tātou i te mana, whawherurir ai a tātou, te thai rāv ea te ie. Te thai rāv ea te ie. Ei te te ie manau e prau nei, o te rāv ea hōp ea te ie, ei tātua ei ta. Te thai rāv ea te ie. Pene e, te weira e tamātou i e te aturi nei, te weira te thai mō rāv ea o te erhi i mātou, e weinei rutu i otou, nārtu pa i tō tātou tāwara aprau, Te ie mō manaa e nenhe e tuhia mai nei mō e mātou, e nenhe to e mātou whaauhipa mi te peu, te waira. Tuha mātā mua te parau no te waira au te orora awhofa i te onei, mi tā tātou i mātoro, mō teime atoa e imaro ai tātou, tau aprau ai tātou i te tumprau. O i te tātou rutu i te onei, te waira te tei mōri ana-ana, e pura-pura anuara i awhahiti tātou i te parau no te orora awhofa, Te weira hoa ea Europa, tā tātou i Mātoro mai tei, tīrotu i te whiwhi, tīrotu i te whiwhi. Te weira te ie whenua no Grèce, Tireni, o te whiwhi i te ie mana, e te tāmuhi ara nāmuri ana e te whenua Paniora, e whatataro e te whenua Itaria o te nāmuri e te whenua Paniora, e te weira te ie whenua Whārani, o te tiei nei i tōna tau, No te mea tīroto to e te whenua Whārani, i te whiwhi tā te e mō whenua no Europa e whaaruru nei i te e mhana. Iahi o tātou i te teituha, whenua no Europa, noa tua e rutu te teime e purtita, wā whaahiti mai rātou i te parau no te marara au te orara rutu i tō rātou whenua ni te whaito e piti ni tianere, o i te rara tātou e tau purtita te rira. E tiroto hoa rātou i te whiwhi hei, no te mea i te imhana, ua whaawhiwhi toa i te weira o te whiwhi, te anora o te whiwhi e tupuna i te whenua marite, i te whiwhi e tupuna i te imhana i te whenua tinto. O i te tātou, o tau i mai rātou i tā rātou whaatere, o oa tātou i te mea e, wanehe tātou i te maahui, e wharere tino roa i ana, rutu i te teitere tōna i te mataiti maeri, haramai wharere i a tātou, hau haituai i rutu i tōna whenua, E te whiwhito ara rātou i te imhana, no te mea te puei e weinei rutu i te imir awhofa o te whenua tinto, mau tira te parau ia no te purtita tapiha ara i tā rātou mau tauhiha, tā rātou hamani nei. E i te imhana inha e te whiwhi nei, e te matete no te whenua marite, te whiwhito anei matete no te whenua Europa, a whiwhiro atura. Te ie mo teie te nā rātou e rawe nei te tāpura ohipa rutu i te whenua tinto, e te hamatara rātou e whāruru. I te whiwhi e whaaruruhi ana i tō Europa e tēnō atu te whenua marite. Nō rira, tātou nei, te whiwhi nei tātou i te mea e, o tāmuhuia, parau no te oror awhofa arutu i tō tātou whenua, in ei nā patere ia tō toru atoa e weinei te onei tō Europa, tō marite e tēnō atu i te whenua tinto. E te imi nei tātou i te rāu e anā whea pai. Mi te peu e tamau a tātou i poritita mātorohi a tātou a teitoru ahuru mateiti tēnei, e hei hoi e tātou i te whenua Whārani e ani mai e, tauturu maina. Te parauturuha e wau e, rutu i te tere aho pēanei,
e aite apara ahau ni te tumu ai te maav ahau. Rau ere I ngā te e toe nei, te maara I tau ahau. Te ura, I ha tātou e ti aturi whahau. Pene ia, tautururi I mai rātou, te teiri I ngā rā topatara, ai te te rira topatara ai, nen he rapau te whiwhi. Te imha tātou e whāruru nei. Te ura, ua tē te tau, ngā tua te huru o tuatare rā, ti tohi a tātou, I ahuru huri tāere tō tātou whiruri rā, tō tātou hi o rā, in e te tei, patur a ora a fofa a apiru tui tō tātou whenua. Nō rira, harmai tātou in e te e tumu parau tā tātou, a tānoa tui te parau no te ora a o te ora a fofa o te onei, e te veira te e mōpuar api, e imi whahaur ai te e mhana, na whea tātou e whiruri te parau no te whahautur ai tō tātou whenua. E wahin aro whaterera au te whenua I te e mhana e parau I a tātou e, e hi o tātou I tō tātou opu nā mua, no te whiruri a nā whea tātou e whātām a e tō tātou nun a nā mua ro. Nā ratu I tō tātou I ho, I nā te whiwhira e whenua marite, te whiwhi nei mō whenua ato o te onei. E rutu I te teiman o nō rato mai te whātareheu nāna e ti a ai te parau no te mō hotu tumu o te whenua, te nā ora o ia rutu I te teitau, au ai te teitau ma teiti potoro, e riro I te parau no te te I e tau o e hamani nei te wharaua ta tātou ahipa nei, e ere I te onei. Te au a ia ere te rira, o I te hoi a tātou, e whiwhit o ia I te whea whaamu animara no te mea, na te e tau o te ohoro o nei te maano te animara. E ia whiwhi rato I te parau no te whaamu animara, o whiwhit o ia tātou, te tapi o ora mai I te IMR tu I tō tātou whenua. A tāno atu, parau no te e tau oi hamani nei te wharau, o ere to oi e tātou I te wharau. Te ura, I mi tātou I te rāwea, I te e mhana, te te rāwea, no te mono ora I te rira. E ura, parau te e, e whaho o ara te e tau e tū mai nei mo e tātou, I hapa I tātou e ti e noa, mit mori a rahaura tūru. Ma teiti tau atini e hiwanere wahuru ma mā taura ahi e te parau no te whiwhi, o te anei I mua I te parau no te ere rai mori a rahau, ua ata te tei pai o te tei mō patereria. I te e mana, te hohoni nei rātou tā rātou mai urima, no te mea tiruto ro rātou I te whiwhi, mai a tātou tō hoa. Tori rā ti tohi a tātou I te e mana, e ia taui tō tātou huru, e hi ora a te parau no te whaahutur a I tō tātou whenua. Noa tua rā te rira, ti tohi a tātou, I amito mai te parau no te mō mana atoa. O I te tātou rutu I te tau hei pohe po, te whiwhi nei te teimo o tua whare. Whiwhi nei te teimo o tua whare, I te pae o te maa. Te iti roa ia, tā tātou nen he e pahono, te imi rai te teirawea, I anene rātou e whatatat ahua. I te mo in ei mātruhi a rātou I tio o. E te whiwhi nei rātou I te mana tō te mea, wāte a roa rātou. Wāre a roa, rutu I te fof a. E whanohi a rā rātou tiope a wae, e tēnō atu te ie mō I nei, no te whātā maara ai tā rātou mō utua whare. Nō rira, wa whēruri tō a mātou, hau hare tuai I te huri taere whahauru ai te huru o ti ora, te parau no te whahauturu aratui tō tātou whenua, wa whēruri mātou I te tei mō rāb e a rū, tā tātou nenhe e rawe, tā tātou amui e nenhe e rawe, no te pahonor ai te auta o tō tātou nun a no te mō mhana atua. Parau mau, whāra o tu rovo I te tei mō man a, Mana o nenei parahui e mana oi oi tara at movea no te a fofa ore ra te I e mana o tō mātou pahonor a e, I te e mō tua whare o te whiwhi mau rutu I tō rātou rara te praura rawau e noa tua te pēni te u a ore ra te huru o te whātare ra e prau te rire titohi e tātou in e tō tātou ti ara tāta me tua whaatere nei tō tātou whenua, ti tohi a tātou tātai tei, ia whaatura I te parau no mō utua whare atoa o te whiwhi I te iemhana, te irutu I te hepo hepo. Nō rira, o mana o tō mātou I te te mō rāwea, nā o tō ehi o tū arau ai, rutu I tāu tō mō mana o. Mi te pauhin aro o tō e wharau ai, te parau tūra wau, I a tātou e mana o, nō rato nō mātou te ite, nō rato tātou pauroa, I nā, ti rato tātou I dwahai, ai maro rā, wahai tau rā parau, te ti ei tō ara mātou, te ti ei tō ara mātou, te tei mō mana o rotoi o tou, e hau atu te rira I nā, tō tātou mō tia e pārhei nei I rotoi te mau apura e ti ture anei, por at o whānei, ti rotot o ai tātou,
pene e te wairar tui ratu i te morab ea o te nenhe e turu atu i te i opuar a whatere au te whenua e tatatou e hamata nei i te tuata papa. Monsieur le Président, simplement et très rapidement pour résumer le débat d'orientation budgétaire que nous allons entamer ce matin, en dehors du fait qu'il s'agit d'une procédure tout à fait régulière qui s'inscrit dans le cadre de la loi statutaire, il est important quand même de se poser un peu par rapport à ce débat d'orientation budgétaire pour voir comment, par rapport aux difficultés que rencontre le pays, comment on peut sortir l'économie de ce pays dans l'ornière des difficultés à la fois conjoncturelles et structurelles dont elle a à faire face. Alors vous verrez bien dans le document qui vous est présenté la structure pédagogique du raisonnement et de la logique qui a été proposée pour animer ce débat, puisque au préalable nous faisons ce qu'on a l'habitude de faire dans tous les DOM, bien entendu, un résumé de la situation économique et sociale globale. Et à l'intérieur de ce résumé global, on intègre bien entendu les paramètres qui peuvent déterminer le positionnement de l'économie du pays par rapport à cette économie globale qui sous-tend les difficultés à la fois conjoncturelles et structurelles que nous rencontrons à l'intérieur de notre pays. Alors, je ne vais pas reprendre l'exposé que j'ai fait en réo, puisque je pense que tout le monde a dû, en s'investissant personnellement, voir où se situait l'Europe par rapport à difficultés économiques mondiales, où se situait l'Amérique, où se situait la Chine. Donc, en résumé, on peut décemment dire qu'aujourd'hui, même si de part et d'autre des présidents ont été renouvelés, la situation économique globale est toujours à la récession. Et par rapport à ça, notre économie insulaire, qui est très dépendante des grandes économies du monde, et notamment, a fortiori, de celle de la France, s'en trouve tout aussi enrayée dans ce processus récessif qui entame beaucoup la capacité propre du pays à pouvoir se redresser. Alors, une situation économique et sociale globale, la situation économique et sociale du pays à l'intérieur, et ensuite les perspectives de réorientation de notre économie. Jusqu'ici, le système économique de la Polynésie s'est toujours reposé sur le principe des vases communicants. Lorsque on voulait faire quelque chose, le principe de la procédure des transferts venait alimenter la commande publique et elle-même alimenter le circuit économique dans le pays. Et puis, tant que le flux était entretenu d'année en année, donc c'était pratiquement quelque chose de régulier et de récurrent. Le flux économique maintenait la santé économique du pays tant que les transferts étaient au rendez-vous. Mais depuis que nous sommes entrés de plein pied dans la récession économique, puisque à titre d'anecdote, je vous dirais que dans les 4 dernières années, c'est un exemple de la situation très récessive dans laquelle on se trouve, le pays a accusé une perte de 20 milliards de recettes fiscales. Et au dire des éléments d'information que j'ai reçus avant de venir donc en séance, cette récession continue à perdurer dans le pays puisque par rapport aux projections de recettes fiscales proposées lors du budget primitif 2012, c'est-à-dire en janvier 2012, nous allons clôturer avec moins 3 milliards de recettes fiscales au 31 décembre. Donc c'est pour vous dire que la spirale récessive continue à frapper de plein fouet l'économie du pays. Et malheureusement, étant donné que c'est une économie insulaire de collectivité, donc un peu comme l'économie de la ville de Paris ou de la ville de Nice, donc malheureusement, nous aurions dû avoir en complément, en soutien, les liens que ces petites collectivités-là ont vis-à-vis de la métropole, vis-à-vis de la nation plutôt. Mais malheureusement, le système qui a été mis en place en Polynésie diverge complètement
de ces relations financières qu'il y a entre collectivités nationales et collectivités des grandes régions de France, et qui fait qu'aujourd'hui, et c'est une bonne chose me semble-t-il également, parce que nous sommes quand même à 20 000 km du continent, ce qui fait qu'aujourd'hui le réveil est brutal, et ce réveil nous impose d'avoir à penser différemment, à faire autrement. Cette façon de penser différemment et de faire autrement nous impose de réorienter notre économie sur nos propres ressources, aussi infimes soient-elles ou aussi peu prévisibles qu'elles soient. Mais en tous les cas, il faut qu'on structure notre économie sur la base de nos propres ressources, sans pour autant faire, excusez-moi l'expression, la fine bouche sur d'éventuels transferts de l'État. Mais en tous les cas, on doit reposer la structure d'équilibre de nos finances sur nos propres ressources, et nous pouvons le faire. Nous avons la capacité de le faire, et je sais que de votre côté, vous avez certainement des éléments également qui peuvent venir enrichir le débat pour accompagner le pays dans le redressement de notre économie. Alors, c'est quoi cette réorientation? C'est beaucoup d'efforts autour du capital humain, parce que si on fait tout ça, ce n'est pas pour la terre uniquement, c'est d'abord pour le peuple qui y vit, et ce capital humain doit grandir à l'intérieur de toutes les politiques grasses également, et à l'intérieur de toutes les politiques sectorielles qui sont porteurs du développement de ce capital humain. Donc c'est l'éducation, c'est le social, c'est la santé, donc c'est tout autour de cette richesse que constitue le Mahu, c'est-à-dire le peuple Mahu, doit venir se construire, s'agréger tous les éléments de fortification et les éléments porteurs de la valorisation de ce capital humain. Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que nous sommes chez nous, ici, en Polynésie, et avec les moyens dont on dispose, on doit pouvoir répondre à nos besoins, à nous, au minimum. Et pour continuer dans cette logique, il y a bien entendu les ressources économiques du pays qu'il faut développer. Et c'est là où nous pensons à un retour vers une économie plus endogène qu'elle ne l'est aujourd'hui, en mettant en exergue, bien entendu, ce qui a bien marché jusqu'ici, à savoir le tourisme, qui commence à reprendre de l'activité, et ensuite agglomérer autour de cela une promotion efficace, forte, et choc du secteur primaire, parce qu'on sait que le premier effort que nous allons devoir faire va être celui de nourrir nos populations, notre peuple. Et je disais tantôt en riant tout à l'heure qu'actuellement, le monde est actuellement confronté à des crises très importantes. Des signaux d'alerte ont déjà été donnés sur l'épuisement de la ressource pétrolière, mais les grands de ce monde n'en ont pas tenu compte. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire autrement que d'en tenir compte. Mais je ne parlais pas de ce problème, je parlais d'un problème beaucoup plus important et qui touche de plein fouet, qui va toucher de plein fouet donc notre pays, c'est la pénurie en matière de céréales que rencontre le monde aujourd'hui. Les céréales, c'est un peu la base de l'aliment de tout le monde dans ce monde. Et grâce aux céréales, on nourrit les animaux. Et sans nourriture, le coût de la viande bovine, de la viande d'élevage, que ce soit de la volaille ou de la viande, tout court, risque de flamber demain. Et la problématique que nous avons rencontrée en matière de produits pétroliers va se retrouver au niveau alimentaire, et on commence déjà à en subir les effets, puisque dernièrement, les éleveurs du pays sont venus nous voir pour nous dire que le coût de l'alimentation est tellement exorbitant qu'ils demandent qu'on rehausse à nouveau la vente de la viande et de la volaille ici en Polynésie. Alors, par rapport à tout ça, nous avons pensé au pain. Et oui, le pain s'est fait également de céréales, et la pénurie de céréales risque, au-delà de ce que réclament actuellement les boulangers, confrontés le Polynésien à véritablement une pénurie de pain. Et pour y remédier, donc, le ministre de l'Agriculture a dans ses cartons un certain nombre d'actions
que nous allons entreprendre dans le cadre de la réorientation de notre économie pour promouvoir notre agriculture en apportant des substitutions à ce type de pénurie qui risque demain de contredire radicalement à la fois les modes de vie, mais bien entendu l'économie en général de notre pays. Alors, au-delà de la réorientation vers une économie plus endogène, il ne faut pas oublier l'époque de 2012, l'époque de 2013, l'époque de 2014, donc la période contemporaine. Aujourd'hui, nous vivons avec deux nouveaux éléments très porteurs de l'époque contemporaine, c'est notamment les nouvelles technologies. Ça également, nous avons prévu dans le débat d'orientation budgétaire de vous proposer des secteurs innovants de développement dans le cadre de la promotion des nouvelles technologies. À côté de ça, il y a également la problématique de l'énergie renouvelable. Je vous avais dit tout à l'heure que dans le monde, en 1984, il y a eu un pic pétrolier. Mais à côté de ça, quelques mois après, on a trouvé un filon en Alaska. Alors du coup, toute l'angoisse du monde qui s'était agglomérée autour du pic pétrolier a été plus ou moins adoucie par les découvertes de gisements qu'ils ont pu faire tout de suite après le pic pétrolier, notamment en Alaska, et ça a atténué l'angoisse du monde. Mais aujourd'hui, on se rend compte, depuis maintenant plus de 30 ans, que toutes les études maintenant, avec tout ce qui s'est fédéré autour de la problématique climatique mondiale, qu'aujourd'hui, effectivement, la ressource en matière de pétrole va souffrir d'une pénurie qui sera véritablement constatée dans un avenir très proche. Et c'est la raison pour laquelle les grands de ce monde, je parle de l'Amérique, de la Chine, de l'Europe, sont en train de promouvoir des programmes pour justement faire la conversion entre le recours aux moyens de production de l'énergie fossile vers des moyens de production d'énergie renouvelable et alternative. Et donc, dans le contexte de notre DOB, nous avons prévu également de retenir dans la réorientation économique de notre pays la promotion de ces énergies renouvelables. Et enfin, pour donner de l'harmonie à la démarche, puisque le statut a été modifié en 2011 et nous impose désormais, vous les élus de l'Assemblée et nous le gouvernement, d'avoir à édifier un document d'orientation et de développement prospectif qui va faire l'objet d'un vote au sein de notre Assemblée. Donc nous avons prévu, dans la dernière partie de ce DOB, d'harmoniser donc, la démarche de prospective et de développement de l'espace aménagement du pays en l'accordant avec toutes les attentes environnementales et puis les perspectives de développement de transport, qu'ils soient interinsulaires ou tout simplement terrestres et qui concernent plus pragmatiquement la vie de tous les jours. Alors voilà en gros, Monsieur le Président, résumé très sommairement ce document qui comporte à peu près une centaine de pages et que je demande, donc je laisse le soin à chaque représentant de groupe d'évoquer. Maruru. Maruru maitei te mono pretitene. No teiene ei maror aman o non eite tapura fatoror arat eit a tapura fofa. Wa fanhote mo pretitene pupui te ho e maror ae pitihor. No te fahiti mai to to mumano. I roto i te gene hui hui a miniti, o fat ahi a piti ahuru miniti nani e pupu tata i tei. E wani mai te tei mo pupu, nene ane e piti e toru tata i proprau mai, e wharihi a te reira, ma te fatura rā i te gene otia no te piti ahuru miniti. Wa opreat ohi atu roto i to otorima, te tei api fatiti ai wharor a numera toru ahuru e maiwa, i opere hea tui te otorima, nā te whaterehau i te pēo te o tumu i opere mei te genei api atiti ei wharora. Nā oto i e whai a tūra tui te genei whātoro arata i a tāpura fofa. E ani nei au i te pupu te tia o te pupu te mana o te maumutu, e whahiti mei tōna mana. Te aoe, te aoe. Eleano. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de la Polynésie française, Monsieur le Vice-président,
Madame et Messieurs les ministres, chers collègues, collaborateurs, journalistes, internautes, bonjour. Sur la forme, je salue le gouvernement et les techniciens qui ont participé à la rédaction de ce document d'orientation. C'est l'une des premières fois que les missions sont mises en avant de la sorte, avec des constats d'objectifs et partagés sur le résultat des politiques publiques menées ces 20 dernières années. Le point de départ est avant tout dans la prise de conscience de la situation, car on ne peut pas soigner un malade qui refuse d'accepter son état. Je discutais la dernière fois avec un ami qui n'est pas en politique. Il lui a demandé quel était son avis sur les élus du pays. Selon lui, si les élus ont la critique facile, ils donnent en revanche le sentiment de ne pas vouloir porter un regard critique sur leurs actions propres. Ce document démontre sur ce point une évolution qu'il faut maintenant concrétiser. C'est également la première fois que les notions d'évaluation, d'orientation et d'ajustement sont comme cela mises en avant. Cela préfigure de ce que sera notre rôle à venir. Nous devons dorénavant être des élus gestionnaires, gestionnaires d'une administration, mais aussi et surtout de politiques publiques et des missions. Cette préoccupation est déjà présente à l'esprit de certains qui doivent propager dans chaque interstice de l'action publique polynésienne. Mais pour évaluer, orienter et ajuster, il faut qu'au préalable soient fixés des objectifs. On peut diverger sur certains objectifs, on peut même diverger sur la manière de les atteindre, mais nous avons le devoir de définir un certain nombre d'objectifs constituant le socle de notre société polynésienne. Un socle qui nous rassemble d'abord, parce que tous ensemble, nous avons vocation à être autre chose que le résultat d'une simple juxtaposition de cultures mal imbriquées, qui nous rassemble parce qu'il fait la synthèse et définit nos intérêts propres. Ce budget n'est pas un budget comme un autre. Il a vocation, quoi qu'il arrive, à être exécuté par un autre gouvernement. Cette situation conjuguée avec la nécessité d'agir nous commande de nous entendre sur ces objectifs communs, mais aussi sur la manière de les réaliser. Un socle qui nous distingue ensuite, car la Polynésie a vocation à être différente de la métropole, mais aussi du reste du monde. Elle ne s'assimilera pas pour disparaître. Notre devenir nous appartient et nous sommes les forgerons de notre futur commun. Notre pays doit se construire sur ses ressources propres et non sur la perspective de plus en plus aléatoire de transferts publics venus de métropole. Cette époque du miroir aux alouettes est définitivement révolue et nous en sommes tous conscients. Toujours sur la forme, le gouvernement indique en préambule qu'il souhaite inscrire le débat dans le cadre d'un processus par étapes à l'appui d'une présentation synthétique des politiques. Le débat d'orientation budgétaire que nous avons l'habitude de mener depuis 2008 ne suit pas un tel processus. L'article 144-1 indique qu'un débat a lieu dans les 2 mois précédant l'examen du budget primitif. Or, nous sommes à quelques jours de la transition obligatoire du budget. Est-il possible d'obtenir des précisions ? Sur le fond maintenant, je suis contente de voir que le gouvernement se range à notre avis formulé lors du précédent DOB 2012, à savoir que ce n'est pas en réduisant sans cesse les dépenses publiques que nous arriverons à sortir de l'ornière. Sur le plan des ressources fiscales, j'ai compris qu'un instrument de partenariat croissance-réforme était appelé de ses voeux par le gouvernement. Peut-on en savoir un peu plus ? Mais d'ores et déjà, je suis sur le principe favorable à la mise en œuvre d'un tel instrument. Je pense en effet qu'il appartient à l'État de nous accompagner dans ce processus de transition. Non pas comme donneur de leçons, mais comme un ami qui nous aide à atteindre nos objectifs. À ce titre,
Il est important de prendre en compte notre environnement fiscal, notre fiscalité et plus globalement notre système de prélèvement obligatoire ne doit pas en tout point suivre le schéma métropolitain. Suivre cette voie serait une erreur. À ce titre, nous devons nous éloigner autant que possible du système de l'obligation déclarative à la française. Nous devons au contraire nous inspirer de ce qui se fait dans le Pacifique et être fiscalement compétitifs sur ce bassin économique. Par ailleurs, tous les économistes vous diront que l'océan Pacifique connaîtra dans les décennies à venir la croissance la plus importante au monde en termes d'échanges, notamment entre l'Amérique et l'Asie. Historiquement, toutes les cités ayant connu la prospérité sont celles qui ont su tirer de leur situation géographique pour devenir des lieux d'échange et de commerce. Parce qu'il est situé au carrefour de ces échanges, notre pays et sa zone économique exclusive, qui est l'une des plus importantes au monde, ont évidemment un rôle à jouer. C'est là que se situe notre plus grand potentiel de croissance économique. Si l'actuel flux monétaire externe en provenance de l'État se tarit ou se stabilise, nous devons chercher ailleurs ces devises nécessaires à l'achat de nos besoins. Bien sûr, ce n'est pas la seule solution. Il y a bien d'autres sujets tout aussi importants, mais quel est le meilleur moyen pour écouler nos produits et donc augmenter nos ressources que de favoriser les échanges réalisés sur notre territoire en tirant profit des opportunités que nous offrent les changements du monde. Le développement endogène, c'est bien. Augmenter et un rééquilibrage de notre balance commerciale par une diminution des importations est plus que nécessaire. Pêcher plus de temps, produire plus et mieux de produits agricoles sont des objectifs importants et j'adhère à la vision du gouvernement. Mais ça ne peut être la seule issue de sortie de crise économique. Nous devons vendre, échanger et, à l'image des oasis dans le désert, faire de notre pays une plateforme d'échange. C'est comme cela que nous arriverons à terme à sortir de la crise. Et puis, tirer profit de nos ressources naturelles est une chose, mais nous devons aussi valoriser ces produits sur notre territoire pour ne pas nous transformer en simples fournisseurs de matières premières. C'est aussi dans cette perspective que nos investissements publics structurants doivent se concentrer. C'est l'un des axes innovants de la vision du groupe de Temana ou Temamotu sur le développement économique à moyen et long terme de notre pays. Les élections approchent et les travaux sur le schéma d'aménagement général et sur le plan de développement économique et social se profilent. Nous devons, sans tomber ni dans la fatalité ni dans l'utopie, imaginer et promouvoir des solutions innovantes au développement de notre pays. Le groupe Temana ou Temamotu sera au rendez-vous. Là, Monsieur le Président, merci. Maruru maite, mero apurarhe, tenine yoite moti aita taratu pupu, Sandra Lévy-Agami. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, au moment où le document d'orientation budgétaire est arrivé sur nos bureaux, l'Assemblée nationale débattait déjà de l'avis rendu par le député d'Ozière en France métropolitaine relatif au budget des collectivités de l'outre-mer. En parallèle, Monsieur Gallois rendait ses préconisations au Premier ministre pour la relance de l'économie. Il est par conséquent très tentant de faire une lecture transversale de ces trois documents. Et ce, d'autant, comme l'ont rappelé à juste titre M. le Président de la République Hollande et M. le Ministre de l'Outre-mer, il est primordial pour l'État de rétablir la stabilité financière de la collectivité. Aujourd'hui, j'espérais donc discuter des grands axes de la politique du gouvernement Temaru. Or, il n'en est rien. Le document d'orientation budgétaire tente de nous faire croire que le prix des hydrocarbures va baisser, que l'électricité également, que la pension pour les femmes au foyer sera accordée et que le Moniru-Ou sera automatique dès 60 ans. Comment le croire? Après plus d'un an et demi de gouvernance,
Pourquoi ces mesures n'ont pas été prises avant? Peut-être parce que ce ne sont que des promesses électorales non financées. On sent que les élections territoriales approchent à grands pas, un collègue l'a rappelé. Promesses électorales ou plutôt mensonges électoraux. L'avis rendu par le député d'Auzière est éloquent. Il parle d'impasse budgétaire et financière pour la Polynésie française. Autrement dit, les caisses sont vides et il ne sera impossible de financer les mesures que vous annoncez, vous le savez pertinemment. Et ce, d'autant que, comme le rappelle en outre le rapport d'Auzière, le pays que vous gouvernez connaît un taux de chômage de 25% depuis votre accession au pouvoir. Ce rapport nous remémore l'étude 2011 de l'IEDOM sur la Polynésie française qui indique que financièrement, le pays connaît des tensions de trésorerie quasi permanentes, l'obligeant à hiérarchiser ses dépenses au profit de celles obligatoires, salaires, emprunts, au détriment du paiement des fournisseurs, mais aussi du soutien de l'économie par le biais de la commande publique. Autrement dit, le gouvernement paye en priorité les salaires et le remboursement des emprunts et n'a pas assez de trésorerie pour payer les fournisseurs ou relancer la commande publique. Autant dire que la prime pour la femme au foyer et l'automaticité du Moniru Au, ça ne risque pas d'être pour 2013. Et ce, d'autant qu'au contraire des autres collectivités qui voient leurs autorisations d'engagement augmenter, la Polynésie française, elle, que vous dirigez, a une baisse de 6,9%. Vous l'aurez compris, il est très regrettable que ce document d'orientation budgétaire ne traite d'aucun projet réaliste et adapté à la situation économique catastrophique de notre pays. Alors que M. Gallois a rendu un rapport sur la compétitivité, dans lequel il propose à juste titre de réduire les cotisations des entreprises de 30 milliards d'euros, ainsi que des mesures en faveur de l'exportation, aucune mesure particulière n'est prévue dans notre document d'orientation budgétaire pour les très petites et moyennes entreprises. Ce sont pourtant les premières pourvoyeuses d'emplois en Polynésie française. De même, on apprend que la pêche ne décolle pas, sans qu'aucune solution ne soit proposée. Les pêcheurs apprécieront. On apprend également que la politique agricole est au point mort. En effet, il ne sera rien fait pour les agriculteurs avant 2014, puisque, je cite, « le pays et l'État ont l'ambition d'intégrer la politique agricole du pays au prochain contrat de projet État-pays 2014-2019. Les agriculteurs prendront acte. Et je sais que ce n'est pas du fait du ministre de l'Agriculture, parce que je sais qu'il se démène, mais aujourd'hui, le constat qu'on fait, c'est que pour les prochaines orientations, monsieur le ministre, apparemment, la priorité, c'est l'agriculture, mais on ne vous donne pas du tout les moyens de vos actions. Ce document d'orientation budgétaire témoigne à l'évidence d'une démagogie et d'un amateurisme certain. Amateurisme qui explique à lui seul la débâcle que connaît notre pays. Moins 6,7% de croissance réelle prévue pour 2013, contre moins 1,7% en 2010. Autant dire que depuis que vous dirigez ce pays, notre niveau de croissance est inférieur à celui de la Côte d'Ivoire, qui est lui de moins 4,7%. Décidément, Monsieur le Président, l'accession à l'indépendance version Vanuatu, c'est pour bientôt avec vous. Oui, vous pouvez applaudir, c'est pour bientôt avec vous, avec les taux de croissance qu'on a actuellement et la récession économique. Vivement les prochaines élections pour qu'enfin des personnes compétentes et travailleuses procèdent au sauvetage économique de notre pays et redonnent de l'espoir aux chefs d'entreprise, aux chefs de famille et à nos jeunes. Je vous remercie de votre attention. Merci.
Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Président du pays, Madame, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout un chacun le dira à juste titre, et on vient de l'entendre à l'instant, le rapport des orientations budgétaires du gouvernement pour 2013 fleure les élections. Autrement, comment justifier un plan d'immédiateté pour 2013 alors que le gouvernement au pouvoir depuis 2010 n'en a prévu ni en 2011 ni en 2012, le PIB ayant pourtant amorcé sa décrue durant cette période, comme le montre le tableau figurant dans le rapport en page 8. Comment expliquer aussi la création de l'allocation parents au foyer pour 2013, alors que la mesure était déjà annoncée en 2004? Mais c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre et ce n'est pas nouveau. Tous les gouvernements sortants, sans exception, ont fait de l'électoralisme à la veille des échéances territoriales. La crise étant la préoccupation majeure et quotidienne de tous les Polynésiens, deux choses m'interpellent plus que toute considération électoraliste. Le gouvernement appelle les élus que nous sommes, je cite, à trouver un consensus sur les axes majeurs de notre développement et du redressement de notre pays. L'appel est légitime et sensé. Le consensus est en effet nécessaire, tant la crise économique et sociale qui frappe la Polynésie française est grave et profonde. En métropole, quand la nation est au plus mal, la droite et la gauche arrivent à s'accorder sur l'essentiel. En Nouvelle-Calédonie, les loyalistes et les indépendantistes font de même. Pourquoi alors en Polynésie française, chez nous, nous n'y parvenons pas? Est-ce à cause de nos différences idéologiques? Pourtant, même entre autonomistes, c'est une gageure. Est-ce à cause de nos égaux? Peut-être. Pourtant, certaines alliances ont démontré que l'on pouvait en faire fi. Est-ce à cause d'intérêts financiers ou occultes? La question mérite d'être posée. La confiance n'est-elle pas en définitive l'une des clés essentielles pour sortir notre pays de la spirale de crise dans laquelle il est inexorablement enfoncé depuis plusieurs années? Or, le rapport n'en parle pratiquement pas, hormis la référence à la promotion du capital humain. Pourtant, le niveau d'épargne des ménages polynésiens, qui est important et en hausse, le démontre le site internet de l'IEOM, plus de 330 milliards en juin 2012, 315 milliards en 2008. Donc ce niveau d'épargne des ménages polynésiens indique que l'argent ne manque pas. Pourquoi alors de nombreux Polynésiens préfèrent-ils investir en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger? Pourquoi alors de nombreux Polynésiens, jeunes et diplômés pour la plupart, décident-ils d'émigrer pour aller travailler en Nouvelle-Calédonie ou en métropole, expliquant en grande partie le solde migratoire de notre population relevé lors du dernier recensement? Si pour l'État, et notamment pour le ministre des Outre-mer, M. Victorin Lurel, je cite, « la confiance est revenue, mais la confiance se mérite », pour les Polynésiens, en revanche, la confiance n'est pas encore gagnée. Plus qu'un débat d'orientation budgétaire, c'est un débat de confiance qu'il faudrait engager aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Merci, Président. Monsieur le Président de l'Assemblée, Monsieur le Président du pays, le Vice-président, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les élus de l'Assemblée, la presse, nos internautes, bonjour. C'est rare de vous voir là, Président, ça fait plaisir. Si le débat d'orientation budgétaire est effectivement une étape essentielle de la procédure budgétaire,
Il permet surtout d'informer les élus sur l'environnement économique et la situation de la Polynésie française afin d'éclairer leurs choix lors du prochain vote du budget primitif. Le constat. Et sans surprise, le constat est dur, mais il est aussi réaliste la situation financière catastrophique de notre pays. On l'a bien compris, c'est la crise. Et elle a bon dos, cette crise, puisqu'elle explique à peu près tout. Pour autant, les premières pages qui s'enferment dans un langage technocrate difficilement accessible cachent péniblement le manque évident des liens de causalité entre le diagnostic expliquant les difficultés du contexte international et la précarité du contexte national et local. Autre explication à la mode, celle du modèle économique périmé, la belle affaire, n'est-ce pas? Ce que vous nous chantez depuis des années, lorsque la date limite d'utilisation optimum était alors dépassée en 2004, et que l'occasion vous êtes donné de mettre en place un modèle économique tout frais. Qu'avez-vous fait? Pour ce cinquième gouvernement Temaru, ce n'est plus un modèle périmé que vous nous proposez là, mais un modèle totalement avarié, en essayant de nous faire avaler une fois de plus n'importe quoi. Des hypothèses de croissance trop optimistes. Je me rappelle encore les hypothèses de croissance très optimistes du DOB de 2011. Où l'on pouvait lire, je cite, « Pour l'avenir de notre pays, le gouvernement entend définir les politiques publiques qui vont conduire à la mise en œuvre d'un développement économique et social équilibré et durable. » Et on peut classer ces politiques sectorielles en deux grandes catégories. Premièrement, celles visant à la valorisation des ressources et au développement économique. Puis celles contribuant à l'équilibre et au développement social et qui constituent les fondamentaux garantissant un développement durable. Les résultats positifs et l'état d'avancement des informations concernant les principaux investissements projetés, notamment dans un cadre pluriannuel, le niveau d'endettement et l'évolution de la fiscalité n'apparaissent nulle part dans votre document, malgré ces 80 pages recto verso. Cependant, nous retiendrons pour autant un bilan relativement objectif et positif de l'année 2010. Certains diront encore que nous faisons de l'autosatisfaction de l'année qui apparaît dans le document comme la meilleure et que nous regardons dans le rétroviseur. Mais lorsqu'on voit le temps qu'il faut pour que certains se rendent compte de la réalité, il nous apparaît utile d'insister sur certains points, histoire de gagner du temps. D'ailleurs, le groupe Totato Aya se félicite de voir que le gouvernement actuel fait toutefois confiance dans un certain nombre de réformes structurelles et qui ont été mises en place par le gouvernement Tongson et que nous avons par ailleurs voté et dont la montée en charge est en cours. Je pense en particulier à la réforme de la PSG, la réforme du service public, et de la réforme de la fiscalité, qui, ma foi, ne doit pas être confondue avec la volonté à moitié avouée de votre gouvernement de créer ce fameux impôt sur le revenu. Parlons de recettes. Je ne pense pas qu'il soit possible de construire un budget en augmentant les dépenses sans recettes nouvelles. Mais que le gouvernement nous revient avec son idée d'impôt sur le revenu, ce sera effectivement le choc économique. Sans aucun effet thérapeutique. Annoncé en grande pompe lors de la motion Poisson d'avril, ce sujet était pourtant depuis tombé dans les oubliettes. En effet, depuis le mois d'avril 2011, le ministère des Finances n'a fait que quelques petites réformettes, sans grande ambition, sans en tout cas informer notre représentation de l'objectif général, poursuivi par le gouvernement pour arriver à la modernisation de notre système fiscal. Et à une réflexion fiscale établie sur la recherche d'efficacité économique et l'organisation des dépenses publiques en fonction des recettes fiscales. La sortie de la crise économique et sociale est fragile et il convient de se donner tous les moyens pour respecter la trajectoire qui a été fixée pour redresser les finances publiques. Ce n'est pas la faute de l'avoir démontré. Grâce à une maîtrise rigoureuse et réaliste, des dépenses de fonctionnement, le gouvernement Tongson avait pu dégager un excédent à la fin de l'exercice 2010
de 9 milliards de francs de recettes de fonctionnement et de restaurer l'épargne nette excédentaire de plus de 4 milliards. Un autofinancement et un résultat global positif après 3 années de résultats négatifs. Est-ce la règle des 3 années de résultats négatifs du gouvernement Temaru que vous souhaitez mettre en avant pour l'année 2013? Dès lors, l'interrogation est légitime. Qui d'autre, à part ceux qui estiment pouvoir user de leur voix dans notre Assemblée pour obtenir tel ou tel avantage, peut encore croire que vous êtes capable de redresser le pays après 2 années où tous les chiffres sont dans le rouge? Nos dépenses. Pourtant, le DOB est assez bien fait dans son ensemble, car il rappelle au préalable que dans un contexte international de crise et face au contexte national de rigueur, le gouvernement Temaru entend porter un budget volontariste qui vise à protéger les Polynésiens, tout en poursuivant les priorités engagées. Toutefois, à la lecture des moyens que le pays aura à sa disposition, on ne peut s'empêcher de se demander comment le gouvernement compte y parvenir. En effet, le gouvernement se contente de reprendre l'assainissement des comptes engagés par le précédent gouvernement, le reste étant des mesures inscrites dans le rapport Bollier. Il est primordial de rétablir la crédibilité budgétaire, la rigueur, autrement dit, est prioritaire, mais au-delà de réduire drastiquement les dépenses de fonctionnement face à la nette diminution des recettes. Il faut également accroître les dépenses d'investissement par l'autofinancement et un endettement raisonnable. Autant dire que c'est mission impossible en ce qui vous concerne. La marge de manœuvre dont dispose la collectivité pour notamment financer et initier ces dépenses d'équipement est indispensable puisque l'épargne nette est redevenue négative de 497 millions. Le disponible pour l'investissement de permet de couvrir plus de 16% des investissements contre en 2010 58% des investissements couverts sur fonds propres avec un taux de liquidation à 53%. Et la situation de l'endettement est devenue préoccupante et la capacité d'emprunt relève bientôt du miracle. Encore un plan de relance tué dans l'œuf. Peut-on d'ailleurs l'appeler plan de relance? De but en blanc, voici ce que notre groupe pourrait proposer pour aller dans ce sens. 30 milliards d'investissements et 25 mesures d'aide, allant pour ne citer que les principales de l'association de logement au logement avec le PAP, PIM et PIL, au développement du tourisme au travers du COST qui n'est pas encore obsolète. Mais j'oubliais à abandonner des bonnes idées quand le gouvernement n'a aucune marge de manœuvre budgétaire pour les réaliser. Autant écrire un DOB qui n'aura comme débat que le nom. Quand on accuse les aides au développement de créer uniquement de l'assistanat, cela frise le ridicule. Aller juger un outil alors que ses utilisateurs et son utilisation sont les seuls coupables. À force de perdre le fil, ne faut-il pas mieux cesser de faire tapisserie? Nous entrons, mes chers collègues, dans un cercle vicieux en raison de la faiblesse de la demande interne liée à l'appauvrissement des revenus et un chômage grandissant. Le pays est dans l'incapacité de lancer des projets d'investissement rentables et capables de déclencher le processus de développement. Au final, les compromis qui ont été minutieusement négociés dans des salles enfeutrées des ministères vont laisser beaucoup de Polynésiens sur leur faim. Les marchands de rêves sont devenus des marchands d'illusions. Maruru. Maruru Maitei, Ite Manawa Hauto Totato Aya, Gaston Thompson, Aita, Yora Te Fenua, Emma Algo. Yorana Pertini o te Hau Fenua, te anu atu, ta oene mo Fatrihau, tato ne te Motia, ma iti hia, e tato porua Yorana e te Enepepeu. Pertini e piti maua e no Yorat Whenua e horo me toma o Armel Merceron e o Vahone. Le débat d'orientation budgétaire inscrit à l'ordre du jour de notre séance constitue l'un des moments clés de la session budgétaire. En effet, ce projet doit nous éclairer sur l'action que votre gouvernement entend mettre en œuvre à court, moyen et long terme.
quand bien même ce qui nous préoccupe avant tout est de savoir de quoi sera fait 2013. Avant de rentrer plus en détail dans notre analyse, permettez-moi deux remarques sur la forme. D'une part, comme chacun d'entre nous ici, j'ai remarqué la lourdeur rédactionnelle dans la partie qui concerne les perspectives pour la Polynésie française. Nous aurions apprécié que cette partie soit plus claire et plus concise. Comme vous savez, tous les élus, et non des moindres ici présents, ne sont pas des techniciens de la finance. Pourquoi compliquer quand on peut faire simple? L'année dernière, à la même époque, ma collègue Armelle Merceron, vous en avez déjà fait le reproche pour le DOB 2011. Pour illustrer mon propos, je voudrais citer deux passages. À la fin de la page 10, tout d'abord, on peut lire, je cite, « Le budget 2013 s'inscrit donc comme un acte contraint d'accoucher d'une souris. » Ma langue a fourché, mais volontairement, parce que vous utilisez des mots vraiment... Donc, comme un acte contraint d'accoucher d'une concrétisation accélérée des réformes économiques majeures, la défection sur ces signaux attendus du tissu économique garantissant d'un déficit sans remède. Ou encore, à la page précédente, quatrième alinéa, l'éventuel retour désastreux à l'accélération de la fonte des effectifs salariés en 2013, en particulier ceux du secteur privé, relève donc de relais dépressifs auxquels la contre-performance économique 2012 ne présente pas d'ancrage pertinent en genèse ou remède, moins encore dans le pays dicterait la donne. Ouf, il faut vraiment avoir du souffle pour lire tout ça. Peut-être que vous, Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président du gouvernement, vous pourriez nous traduire ça en langage un peu plus clair. Ceci étant dit, sur le fond maintenant, que faut-il retenir du DOB 2012? Sur les constats, nous sommes toutes et tous à peu près d'accord. Notre autonomie économique doit se construire sur nos ressources propres, comme il est écrit noir sur blanc en préambule du document. Mais la démarche n'est pas nouvelle. Elle a constitué le socle du pacte de progrès dans les années 90. Et nul ne peut nier les progrès réalisés en matière de développement économique et social. Quant à prétendre maintenant que le tourisme et le secteur primaire sont les deux piliers de notre devenir, ça, tout le monde le savait. Mais j'aurais pour ma part une vision beaucoup plus large et donc moins restrictive. D'autant que, comme chacun le sait, la destination Tahiti et ses îles ne sera jamais à l'abri d'événements extérieurs, indépendants de notre volonté, tels que les attentats du 11 septembre 2001, ou bien la flambée du cours mondial du baril du pétrole qui déstabilise tout le transport aérien international. La première partie du document relative à l'environnement économique n'appelle aucun commentaire de notre part, si ce n'est sur l'annonce d'un décrochage brutal de notre produit intérieur brut. En 2011, vous l'évaluez à 518,6 milliards Pacifique, soit une chute de 6,7% par rapport à l'année précédente, ce qui nous placerait au troisième rang mondial de descente en enfer, derrière le Yémen et la Grèce. C'est dire l'ampleur du désastre. Sur ce point, je m'associe aux interrogations de l'économiste M. Christian Monté, qui lui parle d'une chute de 4%. Sur la réalité de ce chiffre, et je vous demande d'ailleurs, Monsieur le Vice-président, de bien vouloir nous confirmer. S'agissant de la grande réforme fiscale tant médiatisée, au-delà des grands principes qui vous guident, tels que faire prévaloir l'équité ou bien garantir les financements, il n'est pas expressément fait mention de la création d'un impôt sur le revenu. On le devine, vous en avez pourtant fait votre cheval de bataille. Si aujourd'hui tout le monde est à peu près convaincu que notre fiscalité, basée majoritairement sur les importations, a trouvé ses limites, la question de l'impôt sur le revenu nous oblige à une plus grande réflexion. Que dire de votre plan d'immédiateté? Vous annoncez vouloir, je cite,
contenir et réduire les inégalités sociales en luttant contre la cherté de la vie. C'est un objectif que nous partageons. Mais que proposez-vous concrètement et durablement? Le soutien qui doit être apporté aux exclus de notre société, parce qu'il y en a, ne peut en aucun cas se limiter à des mesures aussi soudaines, irréfléchies, opportunistes, voire électoralistes. Je laisserai ma collègue Armelle Merceron apporter un peu plus une analyse approfondie. Nous remarquons qu'il y a un décalage entre vos ambitions et vos actions gouvernementales. En effet, qui a décidé de surenchérir les produits européens en nous promettant des baisses par ailleurs et la taxe de 1% sur les articles électroménagers? Quel est justement le bilan sur la baisse du coût de la vie sur ces produits-là? Donnez-nous des chiffres. Sans parler de la hausse des prix des carburants à la pompe, sous le prétexte de vouloir rééquilibrer le fonds de régulation des produits hydrocarbures. Dans la deuxième partie du DOB 2012, vous passez en revue tous les secteurs économiques. Mais là où vous parlez de réorientation, je n'y vois pour ma part que de la continuité sans innovation. Prenons l'exemple du tourisme, Monsieur le Président. Votre ambition est qu'il soit générateur demain, mais quand? D'au moins 30% de nos richesses. Soit, si mes calculs sont exacts, environ 150 milliards de francs pacifiques. Mais pour atteindre cet objectif, vous préconisez ni plus ni moins qu'une diminution du coût de la vie dans les îles afin d'abaisser les tarifs des prestations. Et parmi les pistes envisagées, il y a bien entendu, vous l'envisagez, la dévaluation du franc pacifique. Souhait que vous savez tout à fait irréaliste puisque vous touchez aux compétences de l'État. Nous ne sommes pas non plus la seule collectivité concernée par le franc pacifique. Et comme vous le savez, nous avons une trop grande dépendance à l'importation puisque nous importons beaucoup de produits venant de l'extérieur, par exemple les médicaments, l'alimentaire, et tout ça va rendre les prix beaucoup plus chers et surtout une baisse du pouvoir d'achat des Polynésiens. Aussi radical soit ce choc de compétitivité, il effraie plus qu'il nous rassure, mais surtout il rend encore plus improbable, voire impossible, l'objectif de triplement de nos recettes touristiques, puisqu'à l'évidence, les dépenses unitaires occasionnées sur le pays par nos visiteurs seront moindres. Soit dit en passant, ils continueront à payer aussi cher le voyage Paris ou Los Angeles-Papeete. Par ailleurs, vous semblez occulter la problématique majeure de notre industrie touristique. C'est celle qui a trait à l'offre de dessertes aériennes. Saviez-vous, Monsieur le Président, qu'entre 2006 et 2011, le nombre de sièges d'avions a diminué de 40%? Pas un mot sur le sujet. Pas la moindre attention de votre part aux difficultés rencontrées par nos deux principaux transporteurs, que sont Air Tahiti Nui et Air France. La première étant fortement endettée, la seconde menaçant d'abandonner la ligne, faute de retrouver l'équilibre financier. La défection de l'une ou de l'autre serait une véritable catastrophe. En ce qui concerne la venue prochaine des compagnies australiennes et chinoises, vous savez pertinemment que ces projets ne sont pas mûrs. Commençons déjà par obtenir, comme vous l'avez toujours souhaité, une simplification des procédures de délivrance de visa. À ce sujet, je lisais récemment un article qui annonçant que Paris et Berlin venaient de créer un centre commun à Pékin pour faciliter ces démarches. Pourquoi ne pas prendre le train en marche? Là où je vous rejoins en revanche, c'est que notre destination doit sortir des sentiers battus. Le concept lune de miel, pour ne citer que cet exemple, a vécu. Les actions de promotion ciblées à l'instar de la campagne Invest in Your Love, défendue par votre ministre de l'époque et qui nous a coûté 335 millions de francs pacifiques, se sont avérées inefficaces, comme il est écrit dans le rapport. Voilà, Monsieur le Président, Madame, chers messieurs les ministres, les quelques observations
que je souhaitais pour le groupe Yora Te Fenua vous faire part concernant ce document et qui, de toute évidence, n'augure rien de bon pour cette fin de mandature. Je vous remercie. Président, bonjour, Monsieur le Président de la Polynésie et les ministres. Je commencerai par rappeler que notre pays souffre d'une crise économique, sociale et qui est historique par sa gravité, par son intensité, par sa durée et par la perte de confiance générale. Nous sommes à la fin d'un modèle économique et social hérité de l'ère CEP et non viable. Vous l'avez dit, je le dis effectivement. Notre société doit absolument se réformer en profondeur pour entrer dans l'ère moderne et offrir aux générations plus jeunes un avenir favorable. C'est vrai, nous vivons aujourd'hui au-dessus de nos moyens. L'admettre a été difficile pour un grand nombre qui croyait à une crise passagère et espérait, et certains l'espèrent encore, un retour à l'ordre ancien. Ce manque de clairvoyance a retardé la prise de conscience, aggravé la situation, accentué les déficits et la fracture sociale entre ceux qui souffrent fortement de la crise et ceux qui s'agrippent encore à leurs avantages et rentes anciennes. Et il faut se rappeler que plus on attend et plus les marges de manœuvre sont étroites. Ceci dit, depuis que vous avez décidé de reprendre le pouvoir, vous reconnaissez cette impasse dans laquelle se trouve notre pays, en fait parce que vous vous heurtez à la réalité budgétaire et aux exigences financières, ainsi que de l'État, des financiers et de l'État. Mais hélas, je dois dire qu'en 18 mois, sans aucune instabilité, vous avez démontré malheureusement l'inefficacité de votre action. Vous le dites vous-même, les indicateurs sont toujours aussi mauvais, désastreux, et la confiance des entrepreneurs, des investisseurs, des prêteurs et des ménages polynésiens ne revient pas. Là où il fallait un traitement puissant, vous avez préféré l'homéopathie ou l'attente, l'attente des aides de l'État. Votre plan de redressement des finances publiques est si peu actif que le gouvernement socialiste de M. Hollande vous impose, je cite le communiqué, une gouvernance resserrée pour le mettre en œuvre. C'est tout dire, qui paie contrôle. Il me vient à l'esprit, Monsieur le Président, les accusations particulièrement agressives que vous lanciez aux autonomistes, c'est-à-dire à nous, supposés, selon vous, être tenus en laisse par l'État colonisateur. Eh bien, moi, j'oserais vous dire que vous vous êtes mis tout seul, le collier et la laisse. Mais le colonisateur socialiste doit être plus acceptable que le colonisateur de droite. Là est toute la différence. De plus, là où il fallait, parallèlement au rétablissement des équilibres budgétaires, entreprendre des réformes de fond, vous tardez. Et vous vous limitez depuis un an et demi à des mesures largement insuffisantes et souvent incohérentes. Et vos orientations budgétaires pour 2013, que j'ai largement parcourues, ainsi que vos annonces politiques, poursuivent cette voie molle qui nous plonge encore plus dans la dépression et la déprime. Je vous donne des exemples. Notre protection sociale a besoin d'une réforme profonde et complète. Assurance maladie, retraite, solidarité, famille doivent être réformées tant sur le plan des équilibres financiers que des prestations que de l'organisation. Sans cela, on sait que c'est l'effondrement à coup sûr pour bientôt. Les partenaires sociaux vous ont remis des propositions en juin 2011. Vous n'avez pas réagi, si ce n'est pour nous présenter quelques textes épars et insuffisants. Et vous le dites vous-même dans votre document, la situation s'aggrave. L'assurance maladie, à la page 45, il est écrit que le déficit cumulé de l'assurance maladie, je pense que c'est des salariés uniquement, a atteint 18 milliards fin 2011. Combien fin 2012? Je rappelle que nous payons déjà 800 millions par an qu'il faut inscrire au budget pour résorber le déficit antérieur. Or là, d'année en année, ça continue à augmenter. La retraite.
Vous dites vous-même, elle est entrée depuis 2009 dans une situation de déséquilibre structurel et inquiétante. C'est vrai, 4,4 milliards de déficit technique en 2011, c'est-à-dire la différence entre les cotisations encaissées moins les retraites payées, sans les frais de gestion. Et il est prévu un déficit complémentaire de 6,4 milliards fin 2012. Et vous dites vous-même 7 milliards probables en 2013. On ne peut pas continuer à regarder les choses comme ça. Ça fait 17,8 milliards cumulés en 3 ans. Chute de l'emploi, augmentation du nombre de retraités ont augmenté la situation. Bien sûr, des textes nous ont été soumis pour validation, c'est vrai qu'il y a eu des recours, mais ils ne sont que parcellaires et ils ne font que reculer les échéances de quelques années, jusqu'en 2018. C'est donc les générations à venir qui payent, alors qu'elles n'ont même pas de travail. Le CHPF, vous devez imaginer des jongleries financières dans laquelle on se perd pour permettre au CHT de survivre au jour le jour, au risque de rompre la continuité des soins. Et j'ose le dire, vous êtes, vous et votre majorité, responsables de la situation de cette année. Non seulement vous avez réduit, très mal à propos, 800 millions de dotations globales au CHPF, mais vous avez sciemment sous-doter le budget du RSPF pour 2012. Je l'ai dit ici, à cette même place, il y a un an, avec plus de 3 milliards d'impasses budgétaires. Je l'ai dénoncé sans aucune réaction de votre part. Vous avez voté le budget. Pour 2013, aucune détermination concrète à agir n'apparaît dans le document des orientations budgétaires. C'est vrai, il y a des phrases, des idées, des projets, mais pas de volonté d'enrayer la spirale dépressionnaire et de prendre à bras le corps les problèmes. Ne croyez pas au miracle. Dans ce contexte de pénurie financière, vous avez annoncé il y a quelques jours votre décision de remettre à jour, à l'ordre du jour, l'allocation de mère au foyer, devenue l'allocation du parent au foyer pour être politiquement correcte. Sur le fond, il nous est difficile de contester le besoin d'augmenter les revenus des familles à faible revenu. Oui, absolument. Mais assurément, vous n'avez pas choisi la bonne méthode. Et je vais vous montrer pourquoi vos choix sont hautement contestables. 1. Pourquoi agir dans l'urgence alors que depuis 18 mois, vous aviez largement le temps de préparer une action sans bavure et cohérente? Vous avez réagi dès qu'on a su que les élections auraient lieu en avril. Mesure électoraliste. Deuxièmement, au lieu de préparer une loi de pays indispensable à une prestation légale permanente, assise sur des financements clairs et pérennes, vous reprenez le même scénario, je crois qu'en 2007, et vous imposez un contournement, la voie non réglementaire de l'aide sociale ponctuelle par le FAS du RSPF. Vous savez, je connais toutes les ficelles. Alors que les travailleurs sociaux croulent sous la prise en charge de la misère sociale accrue, vous leur donnez 15 jours pour se plier à votre décision qui engendrera des tâches administratives d'enquête sociale cas par cas pour 5 000 familles estimées. Et en plus, vous les chargez de contrôler si le versement est justifié ou pas. Ce n'est pas leur métier. Parce que le temps vous est compté, pour espérer vous refaire une santé politique avant 2013, vous avez imposé l'application de la mesure dès le 5 novembre. Avec la coopération, j'ose le dire, docile du chef de service, mais à mon avis, le désaccord muet de votre ministre de la Solidarité. Vous raclez les crédits restants du Fonds d'action sociale du RSPF, pour les autres aides sociales, d'ici fin décembre, il n'y a plus grand-chose. Pour les personnes âgées handicapées, les familles sans enfants, les adultes en situation vulnérable, les journalistes ont dit « vous déshabillez les uns pour habiller les autres », c'est vrai. Vous n'avez pas d'argent, vous êtes dans un plan d'austérité budgétaire et vous dépensez comme ça 1 milliard par an dans une mesure à contre-courant et sans nous présenter de financement pérenne. Pourquoi est-ce une mesure à contre-courant?
La forme de votre aide est critiquable. Pourquoi n'avoir pas choisi d'augmenter tout simplement les allocations familiales des enfants du RSPF? C'est 9 000 francs aujourd'hui. Vous les auriez doublés, moi, je trouve que ça aurait sans doute été respectueux des règles et peut-être un peu plus, plus clair. Vous limitez, vous n'avez pas fait ça, Monsieur le Président, pour tous les autres. Hein? Vous limitez l'aide à l'âge de 16 ans. Mais un adolescent de 16 ans révolu, il est aussi une charge pour ses parents. Il faut le vêtir, le nourrir. Et surtout, quand il va à l'école, il prépare son avenir. C'est un investissement humain pour notre société. Pour lui, ses parents n'auront droit à aucune aide. Et pourtant, à cet âge, on a encore plus besoin, tout autant besoin, tout au moins, de la présence éducative de ses parents. Pour moi, c'est un feu vert pour le décrochage scolaire à 16 ans, alors que les jeunes doivent être scolarisés le plus longtemps possible. Nous sommes, Monsieur le Président, au 21e siècle, dans une société qui se veut ouverte sur le monde et qui doit être donc nécessairement compétitive. J'espère que vous ne pensez plus que l'école fabrique des crétins. Je relève, comme d'autres l'ont fait, une autre incohérence. Vous dites que vous voulez encourager les Polynésiens à se lever pour leur pays. Je suis tout à fait d'accord avec vous. À travailler notamment dans le secteur primaire. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nombre d'hommes et de femmes aujourd'hui tentent aujourd'hui de gagner dignement des revenus modestes par leur travail et leur esprit d'initiative. Je pense que vous risquez de casser cette dynamique que l'on voit dans le développement de tous les petits métiers et les ventes du bord de route. Parce que vous accorderez un don sans contrepartie en activité économique contrôlable. Je vous suggère de consacrer une partie de ces sommes à promouvoir l'esprit d'initiative par des prêts à taux zéro dans l'agriculture, la pêche, l'artisanat, les métiers de proximité, par le financement de mesures d'accompagnement et de formation. Au lieu de cela, vous devriez consacrer une partie de ce milliard à un vrai programme de soutien à l'activité de production pour une économie plus endogène. C'est ce que vous souhaitez. Qu'est-ce que les gens vont faire de ces 30 000 francs? Ils vont le transformer en biens importés immédiatement. C'est normal, leur propension à consommer est élevée. Vous n'allez faire que réamorcer la machine à importer. Vaut mieux les aider à produire. Je termine. Je voudrais dire que... Oui, c'est triste, Monsieur le Président, parce que c'est toute l'année qui se décide. Nous avons rarement le temps de dire ce que nous pensons. Et ce que je dis n'est pas, me semble-t-il, polémique, c'est de la réalité. Veuillez conclure, s'il vous plaît. Je conclue en disant que je n'ai rien trouvé sur une détermination à promouvoir l'océanisation des cadres et des techniciens. Ça a disparu cette année. Vous devriez assortir votre plan de départ volontaire à justement l'océanisation des cadres, au moins partiellement. Je n'ai rien trouvé sur la refonte nécessaire du service public. C'était l'occasion d'assortir cette mesure de départ volontaire à la refonte du service public. On ne trouve rien non plus pour créer de la flexibilité sur le marché du travail. Par exemple, des horaires annualisés. Il faut redonner foi aux entrepreneurs. Il faut alléger le carcan réglementaire. Nous n'avons pas trouvé grand-chose sur cela. Et je terminerai, parce que je tiens à le dire, qu'au moment où vous nous dites qu'il faut de l'austérité budgétaire, où il faut réorienter les investissements vers la production, qu'est-ce que vous faites? Vous maintenez la construction du bâtiment de la direction des transports terrestres à Pirée. 1,75 milliard rien que pour la construction. Combien pour le fonctionnement? Qui va payer? Pour le bâtiment des finances, 1,2 milliard. Sur le plus beau terrain de papeterie qui doit coûter je ne sais pas combien.
peut-être 200 000 francs du mètre carré. Vous allez mettre les services financiers. Franchement, ils ne sont pas à la rue. Combien cela va coûter? Vous êtes incohérents et c'est ce que je vous reproche. Vous avez de belles paroles, mais vous n'avez pas de vraie détermination à changer. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée, de m'avoir laissé aller jusqu'au bout. Président, je vais intervenir dans le prolongement de Madame Merceron. Je vous remercie pour votre compréhension. Maintenant, on a tout le temps puisque nous avons éliminé les deux autres dossiers. Donc, on nous avait convoqué pour travailler. Donc, merci pour votre compréhension, qu'on puisse bénéficier d'un peu de temps. Monsieur le Président, au travers de ce dôme, nous voyons apparaître la concrétisation, en effet, comme l'a rappelé Mme Merceron, de l'allocation au foyer. Que vous souhaitiez, Monsieur le Président du gouvernement, aider les familles en difficulté, parfaitement louable. Et j'ai envie de dire qu'il est temps. Et fort heureusement, les élections approchent, donc on pense aux familles qui souffrent aujourd'hui. Mais encore faut-il que nous ayons, que vous ayez, une idée claire de tous les tenants et aboutissants de cette nouvelle affaire. Voyons si votre proposition est pertinente, en particulier sur les plans politiques et budgétaires. Tout d'abord, sur le plan politique. Nous sommes surpris, réellement surpris, par le biais de votre document budgétaire, d'apprendre qu'il existe un dispositif intitulé « Aide aux familles monoparentales ». Nous ne le savions pas. Vous l'avez mise en place après avril 2011, sans en informer notre Assemblée. Vous faites preuve là d'une totale opacité sur la gestion de ces fonds publics sociaux. Nous avons appris par le rapport d'activité de 2011 de la Direction des Affaires Sociales que vous avez voulu consacrer 440 millions de francs du FAS, du Fonds d'Action Sociale, pour l'aide aux familles, dont les familles monoparentales. Combien de familles en ont bénéficié au final et pour quel coût? Le rapport nous informe que seulement 33 dossiers en 2011 ont pu en bénéficier, mais reste muet sur le coût. Et une année après la mise en œuvre de cette aide confidentielle, parce que je ne sais pas comment l'appeler, le Conseil des ministres du 31 octobre dernier a délibéré et approuvé le projet du ministre de la Santé, de la Solidarité en charge de la protection sociale généralisée, M. Tétaria, la création d'une nouvelle prestation familiale à compter du 5 novembre 2012. Je souligne, mais avec écœurement, que non seulement nous n'avons eu aucune présentation de cette affaire ici à l'Assemblée, aucun bilan sur l'aide aux familles monoparentales, vous nous présentez avec une égale opacité une aide par an au foyer. Messieurs Temaru et Tétaria, pourquoi une telle opacité? Avez-vous des choses à cacher aux représentants, aux contribuables de ce pays ou à l'État qui s'inquiète de la manière douteuse dont vous dépensez les fonds publics et redressez le pays? Il est extrêmement choquant de lire, et je vous cite, Monsieur le Président, à la page 35, quatrième paragraphe, cette phase transitoire, en parlant de cette allocation, cette phase transitoire permettra de vérifier la pertinence du dispositif, y compris en matière de contrôle. Fin de citation. En d'autres termes, vous nous avouez que vous êtes en train de faire de l'expérimentation sociale sur des fonds publics au moment où l'argent fait défaut dans les caisses du pays. C'est vous qui l'écrivez, nous ne faisons que de le constater. De fait, vous nous dites que l'utilité de cette mesure est incertaine. C'est totalement de l'amateurisme. Une phase transitoire peut être utile pour affirmer le mode opérationnel d'une mesure que l'on juge au préalable pertinente, mais jamais pour vérifier si elle est pertinente. Toujours en matière d'improvisation, il faut relever les propos du président de la Polynésie française dans les nouvelles du 3 novembre 2012, et je le cite. Ça va peut-être inciter d'autres parents qui sont dans la même situation, mais qui ont un revenu, peut-être à revenir mieux s'occuper de leur enfant, peut-être quitter, ou je ne sais pas moi, envisager des mesures à mi-temps, ou des choses comme ça, pour mieux s'occuper de leur enfant et trouver en contrepartie cette allocation qui va les aider à passer le temps. Fin de citation. En d'autres termes, Oscar Temaru incite les parents à quitter leur emploi
pour bénéficier de cette aide sous couvert de s'occuper de leur enfant. Monsieur le Président, dites-nous qui va quitter son emploi pour recevoir 35 000 francs en échange au moment où tout est cher, grâce notamment à vos dernières taxes. Pour tenir des propos aussi inconsidérés et légers, votre perception est visiblement celle d'un homme du passé. En outre, dans la dépêche du 7 novembre 2012, Atia Imoua confirme l'improvisation avec laquelle cette aide a été mise en place et qui, de plus, plongerait scandaleusement des milliers de familles déjà en difficulté dans une exclusion aggravée. Et on les comprend. Je perçois également que si le personnel des affaires sociales, au travers de leurs délégués syndicaux, émet publiquement des critiques techniques sur l'aide au foyer, cela signifierait que la réflexion et la concertation n'ont pas eu lieu en interne, renforçant ainsi le sentiment de précipitation avec laquelle cette mesure a été engagée et surtout le caractère éminemment électoraliste politicien de cette mesure. Le 2 novembre dernier, le toujours même président justifiait votre impossibilité à tenir votre promesse électorale de 2004 à cause de l'instabilité politique, vous disiez, Monsieur le Président. Mais Monsieur Temaru, vous omettez de rappeler qu'en 2005, lors de la discussion budgétaire de 2006, ici même, vous, Président, et votre ministre Patricia Jennings, constatez l'enterrement de cette mesure. Et là, je vais citer Madame Jennings. Elle a dit ça ici, dans cette Assemblée. Que disait-elle ? S'agissant des 540 millions, il semble que cette subvention était destinée, comme vous l'avez dit, à couvrir une partie de la charge de l'allocation des parents au foyer institué par l'arrêté numéro 291-CM du 1er octobre 2004. Et elle continue. Cependant, pour des motifs juridiques, cette aide aux parents n'a pas pu être mise en œuvre, sa création relevant d'une loi du pays et non pas d'un arrêté en Conseil des ministres. Et je continue. Enfin, après vérification des listings nominatifs transmis par la CPS, le montant de cette charge était évalué à 1,9 milliard de francs pacifiques, soit 1,5 milliard supplémentaires par rapport au projet initial, inscription budgétaire. Et elle termine en disant ceci, l'inscription d'un montant de 540 millions restait donc très insuffisante. Fin de citation. Patricia Jennings, ministre de la Solidarité de M. Temaru en 2005. Voilà la preuve que vous avez vous-même, Monsieur le Président, voilà la preuve que vous avez vous-même enterré cette affaire en 2005, faute de crédit suffisant. Et que disiez-vous ? La faute à l'instabilité, la faute à Sarkozy, tout ça, c'est pour mieux masquer votre incompétence. Je poursuis. Constatant votre opacité, nous sommes donc allés à la recherche, enfin à la pêche, comme on dit d'autres, aux informations en nous adressant à ceux qui siègent au RSPF et qui dirigent la CPS. C'est ainsi que nous sommes rapidement tombés sur un document intitulé « Note DGPS DAS du 25 octobre 2012 » de 3 pages. C'est donc sur une note explicative de 3 pages que le gouvernement a engagé le pays et son avenir. Je n'ai pas de mots assez forts pour qualifier ce comportement indigne. Nous ne comprenons pas que les deux argentiers du pays, nos amis Géros et Frébo, aient pu se satisfaire d'une note de 3 pages pour une décision aussi grave. Vous avez atteint là, messieurs du gouvernement, le maximum de légèreté et d'irresponsabilité. Allons sans tarder sur les aspects financiers et budgétaires. La note indique, cette fameuse note DGPS DAS, cette note indique qu'il existe 10 416 familles parentales répondant aux critères de demi-seuil de pauvreté. 8 529 familles sont répertoriées au RSPF, 1 440 au RGS et 447 au RNS. Cet ensemble totalise 22 000 enfants de moins de 16 ans. C'est toujours la note qui le dit. Ces chiffres sont établis par la CPS. Cette note également chiffre le coût de cette allocation. Il nous dit quoi ? Il nous dit que le coût de l'allocation parent au foyer est évalué à 4,101 milliards de francs par an. Plus de 4 milliards par an. Vos techniciens le disent, Monsieur le Président. Mais curieusement, cette note dit que, alors là c'est extraordinaire, que ce coût de 4 milliards n'est pas pertinent.
car je cite la note, sur les 10 000 familles qui pourraient, en théorie, bénéficier de l'allocation des parents au foyer, la projection doit être révisée de manière réaliste par 4 pour 2013. On divise par 4 le nombre de familles pouvant demander cette allocation. Autrement dit, cette note affirme que seules 2 500 familles auront recours à cette aide et pas les 10 416 familles quantifiées par les services, et cela coûtera 1 milliard de francs. À moins que vous ayez répertorié 2 500 familles Tavini-Huilatina. Je ne sais pas, mais comment expliquer cette réduction au quart? Cette phrase est capitale. Non, mais écoutez, je fais que rapporter ce que j'ai lu. Cette phrase est capitale car c'est elle qui a conduit le gouvernement à prévoir 900 millions pour cette mesure en 2013. Cette somme provient de 400 millions du FAS, du Fonds Action Sociale, consacré depuis 2011 à l'aide aux familles monoparentales, et de 500 millions imputés sur les crédits du CEFI. Là où nous pêchons cruellement l'emploi, est-il réaliste d'affirmer que seul un quart des familles, dites des 10 000 familles, soit environ 2 500 familles, aura recours à cette aide par an au foyer? Pour notre part, nous émettons des doutes très, très sérieux. Tout d'abord parce qu'en 2005, Mme Jennings évoquait la somme de 1,9 milliard. Ensuite, le rapport d'activité, alors là, tenez-vous bien, 2011 de la Direction des Affaires Sociales indique qu'il y a eu 4 866 ouvrants droits. On ne parle pas du nombre de bénéficiaires, des ouvrants droits qui ont bénéficié de bons alimentaires. Et au rythme régulier de 1 000 ouvrants droits annuels supplémentaires constatés par les affaires sociales depuis 2008, il est probable que l'année 2012 finirait avec près de 5 800 ouvrants droits en quête de bons alimentaires. Mes chers collègues, la raison et le réalisme nous recommandent le chiffre d'au moins 5 000 familles. Ce chiffre est issu de notre réalité sociale aujourd'hui. Et je suis gentil, j'essaye de comprendre. De cet état de fait, le besoin budgétaire est au minimum de 2 milliards de francs dès 2013, dans le cas où, et je le souligne, on laisse les familles se présenter volontairement au guichet des affaires sociales. Mais dès lors que vous oseriez passer au stade de la loi de pays, parce que vous nous l'annoncez dans votre dogme, et là, je cite le document, « pour l'instauration de la prestation légale d'allocation parents au foyer accessible à toutes les familles en difficulté », alors là, mes amis, le besoin budgétaire immédiat serait en effet de plus de 5 milliards de francs pacifiques. Cette allocation deviendrait un droit légal, versé chaque mois à plus de 10 000 familles actuellement quantifiées. Vous nous diriez, les 10 000 familles ne viendraient peut-être pas toutes demander. Peut-être que oui, mais peut-être que non aussi. Les familles viendront demander. Mais n'ayons aucun recul sur ce dossier, Monsieur le Président. Un gestionnaire responsable doit prévoir, si l'on peut dire, une autorisation de programme de 4 milliards 100 millions de francs, chiffre qui a été écrit par les affaires sociales. De plus, comme ce sera votre principal appât politique, c'est ça le but derrière, c'est votre principal appât politique, vous avez commencé à faire du random médiatique. Ce sera une aubaine pour les 10 000 familles encouragées par les Tavanas, et c'est normal, les Tavanas ne peuvent pas répondre aux besoins de nos familles aujourd'hui. Donc, ces Tavanas sont assaillis par ces familles en difficulté. Il y aura, à la veille des échéances électorales, une surenchère et clientéliste de votre part. Et il n'y a pas de pétarade, là, Prédeni. T'es à tout là, Yamato. C'est pour vous dire, mes chers collègues, que le chiffre de 4 milliards 100 millions de francs par an est pour l'heure bien pertinent. C'est ce chiffre que nous devons considérer, contrairement à ce qu'affirme la note des GPS DAS. Mais en même temps, ce chiffre de 4 milliards est un chiffre plancher, car nous vous avons souligné que l'effet d'aubaine va faire exploser la demande. Et c'est 1 milliard de francs de plus pour 2 500 familles supplémentaires. Mes chers collègues, nous savons tous que le pays n'a absolument aucun moyen financier pour garantir le financement durable d'une telle mesure sociale. Prévoir 900 millions alors que les besoins immédiats sont de 4 milliards 100 millions, c'est proprement dangereux, c'est proprement irresponsable. Et c'est scandaleux de tromper nos populations de la sorte.
Je voudrais conclure, je vais en terminer, en quatre points, mes chers collègues. Tout d'abord, le Tahoeira Huiratira fait le constat, en effet, comme vous l'avez fait dans le DOM, qu'une pauvreté dite monétaire apparaît en Polynésie française et que vous en êtes à l'origine, et qu'il convient de trouver une solution à cette grave situation. Nous sommes favorables à ce que ces familles soient aidées, mais quelle que soit la solution proposée, elle doit être à la hauteur et à la mesure des capacités financières de notre pays. Deuxième chose, il est navrant de constater que la destinée de milliers de Polynésiens se conçoit dans l'improvisation et l'irresponsabilité. Vous êtes tellement incompétents et inconscients que nous devinons pourquoi vous rejetez si facilement vos échecs sur le dos de l'État ou sur le dos du Tahoeira Huiratira. Puis, ayant vous-même enterré en 2005 cette allocation au foyer, vous voulez la ressusciter à quelques mois des élections. Tous les Polynésiens ont compris que cette proposition est purement électoraliste et clientéliste. Et enfin, pour conclure, alors qu'un gestionnaire avisé et responsable considérera le chiffre de 4 milliards de francs pour financer cette allocation par an au foyer, vous optez pour 900 millions de francs. En démarrant cette aide depuis le 15 novembre, le 5 novembre dernier, parce que l'aide a commencé, vous avez mis le pays dans un engrenage financier que vous ne maîtrisez pas. Vous vous comportez comme un pyromane. Cela s'appelle de l'irresponsabilité, cela s'appelle du sabotage. Et cela surtout nous rappelle tristement l'expérience de 2006 avec la fameuse réforme de Teuta-Era qui coûte aujourd'hui aux contribuables près de 20 milliards de francs. Voilà ce que nous pouvons dire, Monsieur le Président, sur votre allocation au foyer. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le vice-président, vous aviez dit Vahitau Araprauteye. Et tiens, il m'a dit Aita pretitini tratu noti tapo no terfo mu eta tutu tatu nei fareri a arone e narvo e fatta ti te tapo ta e terfo ai tutatu nei mono pretitini o te o mo mai to no mon on marte fat o to mai mato ro to ti te amu mo er ai te to yar me nei atira no atura nauto tirira fanhora Monsieur le président, Donc, il est vrai qu'il me reste peu de temps, mais sur la forme, d'abord, je note beaucoup trop de similitudes avec le DOB de l'an passé. Nombre d'orientations n'étant qu'un copier-coller de ce qui était précédemment écrit, et avec, il est vrai, quelques développements et l'apparition d'une iconographie fournie, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose à dire de nouveau, Monsieur le Président, dans votre DOB. Et d'ailleurs, les images meublent un peu l'absence de fonds concernant notre DOM. Votre constat de l'état de l'économie reprend lui aussi sur la forme, le même langage obscur et impénétrable que l'an passé pour tenter de mieux masquer la gravité de la situation. Et d'ailleurs, Emma l'a bien souligné, et d'ailleurs c'est très très difficile de lire entre les deux lignes, lorsqu'on sait d'avance que, en fin de compte, il n'y a pas de porte de sortie pour ce qui concerne ces orientations. Mais ce que nous avons bien compris, c'est qu'en 2013, il risque d'être pire qu'en 2012. Parce que nous ne vous disposez pas de leviers suffisants pour redresser la situation, l'objectif étant tout au mieux de stabiliser les conséquences néfastes de la crise à leur niveau actuel. C'est ce que vous rappelez d'ailleurs dans un joli vocabulaire que je cite, une trajectoire favorable d'attente. Pour notre part, nous pensons que vous n'arriverez pas avec les mesurettes que vous proposez. Cette logique, nous l'avions déjà dénoncée lors de l'étude du DOB l'an passé, puis du budget 2011, attirant votre attention sur le fait que vous ne proposez aucune mesure de relance de l'économie,
Le ministre du Budget étant entièrement focalisé sur l'approche purement comptable de son plan de redressement. Là encore, au travers du DOB, vous reconnaissez enfin, il était temps, que cette vision purement comptable a eu un effet dévastateur et que le prolongement de cette approche nous expose, et je cite encore votre rapport à la page 10, au risque de ne pouvoir contenir sans effet multiplicateur en une dépression économique. Dépression dans laquelle nous en sommes déjà bien entrés, soit dit en passant. Alors, pour tenter de remédier à l'échec de votre politique depuis votre retour au pouvoir, et je confirme, c'est en avril 2011, Monsieur le Président, et qui s'est traduite notamment par un cortège de licenciements et un accroissement durable de la précarité, vous nous proposez un plan d'immédiateté pour contenir et réduire les inégalités sociales, telles que les pompiers pyromanes que vous allez tenter d'éteindre le feu que vous avez déjà allumé, Monsieur le Président. Personne ne reviendra contester votre volonté d'afficher et de faire baisser les prix de l'énergie et des hydrocarbures en jouant sur la fiscalité. Nous avons bien compris que c'était la stratégie que vous aviez engagée lors de vos réunions de concertation avec les organisations patronales pour remettre à plat les aides attribuées à certains secteurs de l'économie. Reste à savoir si en baissant la fiscalité, tout en gardant le même volume de recettes budgétaires par la diminution en parallèle des aides, vous parviendrez à atteindre votre objectif de baisse de prix. Ça, j'en doute très fort. Bien sûr, dans le même temps, vous nous proposez d'encadrer encore plus largement les prix en élargissant la liste des PPN. Là encore, nous ne viendrons pas vous contredire, si ce n'est que nous ne voyons pas clairement où se situe la nécessaire mutation de notre système économique qui devient avec vous de plus en plus dirigiste. Si, malheureux, Président. Je parlais à l'instant de la mutation de notre système économique. C'est ce que vous affirmez vouloir promouvoir dans le cinquième point de votre document. Je ne m'étendrai pas sur les premiers volets, concernant notamment l'éducation, la jeunesse ou la culture, qui n'apporte rien de neuf en ce pays de beaux mots. Par contre, et dans le contexte récessif que nous connaissons, mon attention a été, bien sûr, été portée sur le volet de l'emploi et de la formation professionnelle. Je passe sur le constat catastrophique déjà fait par le président Temaru lors de son discours d'ouverture de la session pour me concentrer sur les actions que vous entendez mener et pour, et je le cite, page 40, favoriser le maintien à l'emploi durable et cibler l'action publique pour l'emploi. Suis donc le catalogue de toutes les mesures dont nous disposons et qui, hélas, n'ont pas donné la preuve de leur efficacité dans le contexte dépressif actuel. Il est certain que les patrons souhaiteraient toujours pouvoir maintenir l'emploi grâce aux dispositifs comme l'IME ou le CRE, mais il arrive un moment où ces mesures ne sont plus de nature à garantir la survie de ces entreprises. Donc, permettez-moi d'être assez dubitatif en la matière, et ce d'autant que vous allez amputer le budget d'intervention du CEFI de 500 millions pour financer en partie votre allocation électorale pour les parents au foyer. C'est vrai que dans votre conception, il est mieux de payer des gens à ne rien faire plutôt que de les aider à vivre dignement grâce à un emploi et à un salaire. Donc, je vais abréger sur ce qui est donc votre convenance de votre orientation budgétaire, mais il est vrai, je suis aussi désolé de le dire, Monsieur le Président, mais dans votre programme d'action, nous sommes loin des chantiers générateurs de plus-value en priorisant l'investissement dans les outils de production, page 26. Où, parce qu'on se pose énormément de questions, où est l'investissement productif quand on nous propose de construire une nouvelle hôtel des finances sur le front de mer? Est-ce que cela va attirer des touristes, par exemple? Où est l'investissement productif pour la construction du nouveau bâtiment des services des transports à Pirée? Reloger des services du pays, est-il un investissement productif à l'heure actuelle? Je ne parle pas de la construction de votre nouvel hôpital de 4 milliards à Travant, alors que nous ne pouvons déjà pas faire fonctionner nos propres services actuellement. Ce ne sont que quelques exemples parmi d'autres qui démontrent votre totale contradiction avec votre affichage politique. Autre idée à relever est celle de réduire de 30% les coûts afin de résoudre les problématiques de la cherté de la vie ou la cherté de la destination de la Polynésie. Par exemple, en procédant à une dévaluation du front Pacifique. D'ailleurs, les représentants de l'IOM ont déjà souligné le caractère saugrenu, pour ne pas dire farfelu, de cette idée.
Pour ce qui nous concerne, donc, nous sommes farouchement opposés à cette idée farfelue. Et si on voit bien cette conception de schéma, c'est une conception de schéma d'appauvrissement que nous avons ici au niveau de la Polynésie française. Donc, nous ne sommes pas tentés de croire que le président Temaru a trouvé la solution pour réduire les coûts à 100% en appelant la population à accueillir gratuitement des touristes. Enfin, restons sérieux, au-delà de l'immédiateté de certaines mesures, nous avons bien compris qu'à l'aube d'une échéance électorale capitale pour le pays, votre principale préoccupation avait été de faire rédiger par nos services et au besoin en faisant appel à des prestataires extérieurs les bases de votre futur électoral, programme électoral, ce qui a d'ailleurs été confirmé de manière implicite par le vice-président M. Géros sur TNTV le 2 novembre dernier, interrogé pour savoir si ce DOB n'était pas justement un programme politique pour la prochaine campagne. M. Géros a candidement répondu, eh bien pourquoi pas. Vous, qui n'avez cesse de nous faire la leçon sur la bonne utilisation des fonds publics, vous faites la démonstration que vous êtes en train de détourner ces mêmes fonds publics pour votre seul profit électoral. On comprendra donc, pour finaliser, Monsieur le Président, on comprendra donc que votre vision immédiate au travers de ce DOB et demain du projet de budget sera de tenter de limiter la casse sociale avant les élections, de lancer quelques mesures clientélistes et enfin de repousser au plus tard les vraies réformes dont a besoin le pays pour se reconstruire. Maruru. Maruru maite. Bravo. Bravo. Maruru pritini, Iorana. Pritini o tātou whinua. Whaterera o tātou whinua. Pōtou, mō whaterehau. Pōtou mō rimaturu. Tō tātou tōwha. Tātou depute. Tātou mō ti amaiti e tō tātou nuna. Nā te harame onei e tua tapapa i pro tona anan heira. Mō papa e vea i orana. Hi o au pro tō tātou whinua, ai te huru e te ipia apur arhei. Tā tātou, te matahi te piti tau tini ho e, te awaino e perera tōna paturahi. E o e te amatara, te hipa poruti taru tui tō tātou whinua, ha amata, te awaino e perera tau tini piti te ahuru, tau tini piti tau tini ahuru maha oe. Te moehi arapa i tātou. E a ai tō te e whenua tō tātou, e a ai tō te e whare, ai tā tātou i tēnō mai te e mhana rutu i te e whanon hora, no te mati hiti meri ane. Me ti apa i tātou i eite, i a haa mar marama mai tei. I tātou nā muoro e tō tātou nūn ai muri mai. Mati hiti tau tini i wahanere wau ahuru maono, wa manuia mai e piti nā tia. No te tāwini huira atira. Pritui te i pia porārhi tā tātou. Wa tupu tu tehi orero rā. Ko e hora te maoro. Orero rā pritui te no te tāwini huira atira, no te whāra ātea i tātou. Te mo ohipaini he e tupu rotu i tō tātou whenu. No te whāra i tātou. Te parau no te ture arata ere i tō tātou whenua. E i tā tātou e tāpai. Mi te peu e vai noa tātou rotu i te arata ere a ture. O te ipaturuhi e te teipuera. Te wharara oni tātou, te mou nuna ato o te aonei, te mou whaterera ato o te aonei, ta rātou haara a mata muaro, te emira e te mou rawa e ato. E whangai i te nuna, e whaamu i te nuna, e whaatupu i tāna. Whaarhei te hipa whaapu, te hipa rawa ai, te hipa whaamu animara. Piti ahuru maono matahiti i tēnei, te hia tātou i te mhana te auera. Te auera, no te ha. No te mea te mou whaatrera i hare mai, ai taro ato rātou whiruri ai mana on oi te parau te nuna. Ai taro. Ai taro, te mea e ere nau te ie parau. Ere nau te ie parau, na te hau wharani. La Polynésie, la danseuse de la France. Wariro tō tātou whenua i vahine ori. Nā te heuwarāni. Ori no otou, tano he watara parau, pere tai. Ori no otou, himene no otou, nā mātou e whiruriti tō otou parau ananhai. Tā tātou i e au e rei te mhana. Ai tā hoa e hui pei patuhi aru tui te e whenua. Te nā otou ara, pere tino te tāwini hui atirei te rāra mo te heiti. E hi o ā te ai tā tātou o hipo. Ei te nen he. Ai tata parau, o te imira a whauwha a toa e whenua,
Nous sommes un pays sous-développé. Terrat pour moi. Nous sommes un pays sous-développé. Tiet atu tetat une pour nous. Nous te imhana. Eh? Aite ma anite tu muvi. Faite tout atu mono prédité ni arawer. Aite ere ma. Pour te finu. Ya tu pou te fio te oni e pohete nun ama hoide poyer de fana nora. O te fa no hoye ma te toru ahuru ma te te ene. Promo. Yo hi ate amu to tatu finu. Te veira o te muni hi. Muni hi. Pura me de media na arte ditaria. E? E ata o toi te pro. Te ra ra te pro mo. Pro toi to tatu finu. Wa muni hi ati te puera. E ora io. E ora io. E ora i huahine. E ora io. E te nuna. Te autara. Te autara te nun ai te imhan. Ta oskara ai te pai ha papu hio me te ture. Ta di te buera au hia. Te papu mai te. E. Te autara te nun ai te imhan. Nous sommes un pays sous-développé. Rien n'a été développé dans ce pays depuis 30 ans. I te imhana. I imhana. Te prohiara he. Ua topatarit finuai oskara te moru. Ai e. Au e hoi e. Aue hoie, te mahana ai te moni rete te whenua, te momat hei te ioe, to patari te whenua, i tātai whātere mai rete tau oe. E te mau tau, mea pūrehu, mea tēnua, te miria rete i tō tātou whenua, e ha te hupei rau hi. E ha te hupei rau hi. E? E ha te hupei rau hi. No te whaamu i tō tātou nuna. Ai tā ho e hupa mai te eirau hi. Ngaruau, ngaru ti manao e haapopou mai tei. Peritini o tō tātou whenua e tāna whātereira. Te mea ua i te maita i tātou pauroa. Tātou pauroa ua i te maita i tātou. Te teime tātou a whaoti ai. E rawai te whātereira o tō tātou whenua ua i te tātou ti roto tātou i te tau oe. Tau whiwhi ai te moni roto i te awhatau tō tātou whenua. No te herera i tō tātou nuna. No te arofa i tō tātou nuna. Ai ti o tōi. Parawai. E ere te mea ohie. E ere te mea ohie. Mana o haapopo mai te ite. Whatera au tō tātou whenua. Te mea. Tēnā oropai. Te tahi aito tō tātou. Te raratau. Tōna. Ori hiro. Te wiwi rawa i tōna mana oro tui tā tātou radio. Radio i te whana. Nō te heri tau tini wahanere wa uahuru maono. Tēnā ora tā uira ei te aito tō tātou. E ori. E hato e man oi te praut i mira a fofo ao tō tātou whenua. Te pahono ra te eito. I te mai oe vito. Te mōtaro, i te tanu oi ane huri oi ane riti tivari. Te ie tā tātou aita, me huri ki atu mōtaro i ana tō rā pae wha amu. E poho e te rā taro. Te hipe o tā tātou e o rare i te imano. Rien de rien. Aita, hau e. Porutita, porutita, porutita. Danseuse, danseuse, danseuse. Peretai, peretai, peretai. E hupa tarai tupuru tui tō tātou whenua. E mei te maa. E i wharoa oi tu mamana, nartou mai hoa. Tō te taho era, e ue te hap i meire i tātou, nā whea tātou i au puru ere tō tāte nuna. Ho mā, te hare nei o tō i hia. E? Nā o tō hoi i au puru mai, te ere tō tāte nuna, te hia tātou i te waira. E? O ai ti moni hia ratu i te e whenua. E? O ai ti moni hia. Nā roi whata atu o iao. E? Mea rei ti moi tiripuna. Te mea te veida te moni. O moni hia ma te ho tōrae. Te veida te moni hia. Te hipari a pepere.
comme ci, comme ça. Naro aïté mourama. Et fa aïté tatoui de promou. Rote aïté fino. Ya aïté totato nouna. Mais na fait tatoui taïen et rafaïté aïté man. Te proïda aïté tatou. Tatou, paouro, moutia pour tita. Tido toto tatou fino et fifi. Akane. Paroïde rapoï arawera. Et n'enhe tatou. Et tu ati ati dit taïme. Donc si on a été pro totato nun a été totato finu. Aïta nene nene. Faro oi to oto mu mana, to taho era aiho ara, e mana fa hapa, mana fa hapa, e tatu ito pe, mana oto. Te vene ti te hapi da, o ta oto nene, horo omai. Ido te imato, no te ti a au da ite fofa atato nun a, et oui, là, tu es. Aïe, toi, maintenant. Aïe, toi, maintenant. Et, mais à Rahi. Au témoignage. Et, mais à Rahi, tu es au Aïe. Tu es promu au Aïe. Tu es touré au Tarato, tu es au Tira, tu es touré, mais tu es au Tarato, tu es au Tarato. Natéria touré. Tato est mort, il est mort. Maintenant, puis, tu es. Il t'a tout pour vous. Mais, il et tu ito tato nun a imuaro pena ora tu tato monopriti teni arau arau tu itana ore rora aito e parauda e monopriti teni tera e te ta atu ora o te marmara matira tu imatu e rohi amuira tato te mea te nun au te iwhinua e ere te nun a tawini huida atiran e arera nun au IPLD tato paudo. Et nous n'avons no tato pour voir tout ce qui est na oe yo. Na oe. Na oe yo imit moura wa atoa. Pritini. Mais on est là. Vroi mai tato yi tuhipo. Te vene i te mou haie tū ati, ati mai tei. O tau i te tu. Pre teni tongsane ane, pre teni flose ane, te mida rā, ti o rā purutita. Ko imhi at mou rāwe atoa. Ho e no tāte tau tātai ki nei a, e tēm ai te mana. Erore. Erore i tongsane, erore i te maru, o nā e. O nā e te me pararutu i te whenua. Wauti te ria tau. Tuoti te ria tau. E tau te ie no te whariura tato ni i tō tato nuna. E tau te ie no te pāturura i tō tato whenua. Tuoti te nā tau, homa. Anan hei, praumou. E whaahapahi ara whātere au tō tato whenua e te mō whaotira au tā oto irawe. Mono preteni, e whaotira a purutitāna. Ki ie hoi tato i duaira, atai. Apiti, e tō oto irawe tera whaotira. E parihi oto e whaia paru paru. E? Porotita porotita pa ai tera, Tera, ti te mo mana o mono preteni. E preteni o tatatato apurar hai. Whaito ito, whatera o tatato whenua. E amu, oto i wharao o mate hou tō rai. Maru. Maru rongai te hei. E toa nei vau miniti, te ao era, hiro te wharere. Retenit abora rei, fari mege tapo o te arufa te arufa rei. Retenit o te whenua no tu e uahare, retenit o ma ohinui, mono pretenit, whātarehau, tō tō mori ma tauturu, tēnā tū te hei o te arufa. Tō whā, te pute, retenit, tangsong, tātou bātō, te arufa rei. Maruru te mō mana o ato e te uhia mai. Mana o whari, mana o patau, mana o ui. Maruru te tā ato rao te e mō mana. I tō e hēmei ni e ki a ai purikita tā vito i tatara. E rawe rao tera, no te horoara i te tei mō whanhora, a whirurira i tatou, iau te tumu para o te e mhana. Patitora a mana o in e te mō whā, pa e o te imira a fōwha. Te ura ai o te e parau.
Ya te yo tato te ye puto maruru o tau pa ato te ha te horo mai te te mo feruri a te te mo numera e te te mo aweia. Ki tau hia te aporar hei e feruri te te whanhor a hau watu i te mei te no anan hei. E ha te mo prau en en he tapa e mai. Ko te aturi wau e hiti mei te rā mo mana o nā roto i te pai atu. E ai tatara mon o tapo i ai taratou i teo. Wo horo anō rātou nā tā rātou mō rima tauturu e papai. Teo mei rātou i tō rātou mō mono. Koe tuha anō tā armeli tatara mō. I hei o tātou te reira a o te mō tauturu hururau ato te horo ahia. Api o horu mātoru. Hitu o horu mahitu i nei tānere te tātoara o te mō tauturu tōtiare, te rā e hare nei rotu i te mō utu o whare rawai. Pataur hei te ie parau. Tāpō o whaite te rā, wa hape tātou pāto. Hitu o horu mahitu i nei tānere te tātoara o te mō tauturu tōtiare hururau, te wheruriia, te hamauhia me te rārtau, te mei e te emhana, te mo utua whare, rawa e te rā e whan oro. Te rā i rāroro, te tuha ar hei, te emhana e heutāra, aita. Wamuahia te e parau. Te emhana ti tuhu e tātou, e hio i te tei whan hora, hau watu i te api e te meitei. E te wei nei, te wei nei te whenua nei. Iau behi oi tato, o hono tara e paraura. Horo o te teimo numera. O hare wauro toi te ie hoer a hawa e kinui. Pauro o te mūma te hindi e hare o. O i te ane tato e whea poti a pe e hua hine. E hanere. E te haa, vau hanere piti o horu maono. E i popora tautini hau. Tuti ape. Tapa oia tautini hau puti ape. Pera wai. Ia numera tātou te tātai in iho o hau te horu tātou. Pera wai, pera fofa. Ai tate e nuna tātai rutu i te urar ae au tā. Te oa oara, te atara, te arereara. Te rara e mate te e mera nā tātai. Oie rato i te ora awhiwhi. Tato mea, ai te whan ora, mi rato e whan ora. Ho e tana numera. Te piti o te numera, ta tātou i e mate i te nei te mōm hana ato i rato i te awhata te atu. Te whenua moniro a te nei o te whenua marite. No mai ti no mai rato i te rato pretini, whan apira ai a Obama, te rohoi a rei au e Obama. Te ono tautini miria Moni whenua marite, te apoe weirere tui tā rātou imir a fauwha. Whenua moni roa i tēnei o. E o rātou te tumu, o te whiwhi, o te orara imir a fauwha, i tēmhana ati e tamu whenua tono tēnei o. E te e tātou unei, e parinei tātou tātou shu. Te hapera tātou. Te hapera tātou, wapapai anahi e tana mō parau me te mateiti. Ho e tautini eiva hanere, eiva horu māpiti. E oi te oe tōwha, oe te whātare meina, whenua i te rāratau. Te whiwhi tō tātou whenua, te raia mō pūta tātou i ha mau. Les difficultés du pays sont d'ordre structurel. Te ieia mō tata i rāe o puha i rērawa i te emhana, e te hau whenua. Apite mō teiti i tēnei, wahamatahi a nā mōtu, e te ie te e hau e tūr einei. Tātou hopoia, te māro paraurai unei. Te horo arā i te tei maurawea, e horo atu mō te tei wherui rā. No te tauturu rā i te ie nuna i rārororo. Tu mea uite ue tō hua, nā tātou i te rāratau, i ha mau, e rea nei? Karero e whrāni mārō, haumei, tātou i a piaruma, haumei mārō parau e mau e kei e whānhora.
tate nun a e fan or. Ya numera tato, te muni e o mwere iru tui te taato wara au te e tau turupi hea. Se este, nar tui te mourawa e hupa e te mou teete, ki ni e te whaito wa umiri e te emhana. Noa tu te whiwhirei e weire. Aita rā tōraro e o whaura, e aita tōnia e o whaura. Tu wā rhai gera, ai te e tātou hare turu e ni e gera tu te e tātou tātou whātare hau wharepo e hina arore e tu, i au whau te tātou rā. I hare noa rā tātou i o, te reira roro e tarain i aro. En he tātou e piti te muni, naroto no te e se este e topamero tō te hau whenua. O wautara e parore o tau, matau tau o tō whāo i te o e tu uhuru, parau e o i tarā, no te mea o numere o. Nen he tātou e piti. Te auraia, i rutu te, e oi te toa oe pretini tongsang i pronua na oi a oe tra nga mataiti mairi ane, e rawe tera. E hara tātou i o, e rawe tera, mei tiroa, mā pae miria e topa me me hauroa nen he are hitu miria. I te hamura ai kera hopo i a opre mai te te muni e weire te whenua nei rutu i te nun a maho i rutu i te ora awewe. No te mea, ai ta tātou e nen he prau o manuia tātou, tō tātou nun a maohoi nā mua ruei raro ruei te e mana, e ti tauhia tātou e tau turu i ana. Tahu e rānei, tō tātou ai ānei, i aura te whenua ānei, te mana o te momotu ānei, UPLD ānei, tāwini ānei, ti tauhia tātou e hi o tara nun ai raro ru. Tēnei rā, ti tau tohia tātou e hapi kera nun a ea mui tāna hopo ia. Ko te mea aita, oie ea mui tāna hopo ia. Oie e nāna e hō, tāna awhatapia i te mō hōp, e a hepe tōma ato, e whāri e o whōho e tuhu ano te tauduru ai ana. E tarāni aro, oie e nāna e whā, e hapono i tāna mō whōho a i te ara, piti hāne re pe ahoru mahi tū miri e i te mō teiti mēri ane. Me e huru rahi tra, e re nā upapa ia, nā te IOM. Piti hāne re pe ahoru mahi tū miri a. Ai tāra tātou e o er unei, no te hi o rā, te mou whānho rā e tītou hia, e hare tī te rā whauwha, ho e tūpā no, e te rā whauwha, no te oroi rā, te whiwhiru tui te awhata o te whenua, i mi tū e te mou whānho rā, nā whae ham, mai te ei te ora rā o te nūnā i rutu i te ora rā wewe. Te rā pretini, te tūhu au tāhu ina aro e tapea, wha hi o rā e tātou, ua hapu e tātou ini e te rā tūhā. No tō mea te euta e rātou i tātou, veinu arutou i te parau, ai tāra veira arutou i te whiruira, ai tātou e veira arutou i te whaohipara. Te aru hoi arhei. Maruru mai te e, mono pretiteni, verani te te pahonura i te mō uira, o re rātou mō whahapara, no te opanira i tātou tāu o parau rā. E, maruru mai te e, pretiteni, no te e mana o hōpea, e, o iamau, i te au e tirutoho a tātou te e maro rā, no te mea, te weira te pae patau, e ti amahewa e te pae patau ni te mārōra, ai te heo hui nāro e ia whaaho a tātou i te rira. No te mea te whaariro nei au te i e mō mana o i ti, mana o aratai, puritita, e maa tā tātou e matai tei nei, i he tā rato whai, a rau no mai, no te mea anan hei, mi te peo no atua e monohia mai, te ia mō aratai rā, tā otou e whaohipa. No te mai tei o tō tātou nuna. Nā o tō e hap i mai e ai o tō raroro. E te weira te teimo o puar a tamato e whiruri nei. Tō raroro tau tō e patau nei. Ai tātura mātou e i te rā e te haretura tātou hia. Harmai te parau whaitir ahi amai mo aivan a norto mai a algo anei, tōna ho anei. Ei, mo aivan a o te ea, tōna tō rato moioa o Paul Grudman. Aore rā, o Jim Rogers, tarāt mō aiwāna nenei te aturi. Prau nei rātou e vero ana nei, e vero i aho. Ia te i e mō aiwāna tātou vaiti nenei te o. Rātou te tumu tātou i perehi e i te e mana. No tō tātou te aturi rai tarā mō aiwāna. Nori rā, maruru mai teit mō mana. Wo te aturi wauratu i te teimei tuata papahi ei, te tapura fofa. O te ara mō ana e te atoa mai tō tātou mero. Tā tātou e whauta ni te tiara, e niu mai nei dozea no te praura, e piti no rāua, te toru e titai mai rutu e turu. Au he oie.
au atira atira tia turine e e farere atato e te e tapura fu atato aria tato fananea ro tuai e tatato nei mo opuara no te mateti pitito tini ahuru maturu maruru mai tai maruru mai tai uoti tatato tapura numara piti te anine iau i te papa e praurhei ia tai o mai te tapura numara pae ia oera e te pretetini e ua upereia i te tātuara o te mau tia i roto i taratu kue prau te tapura o te mau rata te tēmei te apora rei na te piti haurumama no atopa e te atu i te ono no novema piti tau tini haurumā piti maruru mai te hei ua tai tātou i te hopea o tātā tōrurura wharerea tātou i te hepetomei muri nei te opani nei au i tātā tōrurura la séance est close maruru